Ça, c'est fédéral, votre affaire, vous autres. Oui. C'est l'Office national du film. C'est ça. Oui. Gouvernement fédéral. Le gérant de la Penman avec quelqu'un du bureau chef, je me souviens pas les noms, ils sont venus me le dire dans l'avant-midi qu'ils avaient l'intention, que la décision était prise de fermer la manufacture de la Penman. Et puis, là, je leur ai demandé, j'ai dit, vous êtes pas sérieux? Ils ont dit, on est bien sérieux. On est obligé de fermer. Là, je leur ai demandé de me prouver pourquoi ils voulaient fermer. Alors, ils m'ont montré des chiffres qui arrivaient en déficit avec la ligne de sous-vêtements, des gilets qu'ils faisaient. Et puis, après avoir constaté moi-même leur déficit, je lui ai dit, que voulez-vous? C'est vous autres qui connaissez votre affaire.
Nous a réunis dans le même département tous les employés. Et il nous a envoyé ça tout bonnement de même. Après qu'il ait fini de parler, le monde a applaudi. On n'a pas dit rien sur le coup, on a resté trop bête, on s'en attendait pas de ça un jour. Il dit envoyé en haut, le gérant, il dit va en haut, il dit les hommes sont là, je vais te voir. Tout le chiffre de nuit, moi, demi dehors, puis les quatre jours, on a monté en haut. Il n'y a pas grand chose qu'on peut dire. Il me demandait si on avait des questions à demander. On lui a demandé une question, là. Pourquoi ça paye, tu parles? On n'a pas eu de réponse. It's closing principally because the volume of business we're getting in the lower end of the underwear business is not sufficient to keep that plant, St. Hyacinthe plant, and the Paris, Ontario plant going. We had to make a contraction somewhere. That's one reason. The other reason is that if we did have enough business, which we haven't got, we would have to spend a lot of money in that plant. The power plant is finished. We would have to spend, I think, something like $90,000. Well, you know, the whole building is not worth that kind of money. Il y a quelques fois qu'on entend parler, puis c'était pour arrêter ça, mais... On avait pris ça comme une routine, hein, on s'arrête à pas ça. Mais quand ils nous ont les grands bottes, ils nous ont dit ça. Là, c'était vrai. Là. Et j'avais mis un coup de masse dans l'estomac, ça n'aurait pas été écrit. Donc, je descendais à ma place au troisième. Donc, je sais pas, il y en a un qui est venu me trouver. Là. Je ne pouvais pas y parler. Je pleurais, un chat de larmes. J'arrive, c'est mieux pour 10 jours. Je n'étais pas de me décider d'accepter ça. Là. Dans l'espace de quelques minutes, je me suis rendu compte tout que ce l'avenir me réservait. J'étais rien comme femme, j'avais 46 ans fait. De retomber encore à zéro après avoir tiré le gars par la queue, là. J'ai acheté cette maison-là de 3 ans, ici. Puis j'ai encore 5 enfants à mes charges. Puis quand on tombe dans une manufacture, qu'on n'a pas de seniorité, là. Et il faut prendre que c'est que les autres veulent pas avoir, hein. 90 cents, une pièce de l'heure, je ne sais pas, même si je peux avoir une pièce de l'heure. 40 pièces par semaine, quand on est 6 à la table, là. L'hiver, l'été, on peut toujours manger, mais l'hiver, là, je t'assure qu'on vit mince. Du site à côté de coupe, il n'y a pas de job que je peux prévoir, que je peux faire pour être capable de faire vivre ma famille. Puis déménager. Pour que je sais pas comment. Si c'est ta maison que j'ai là, si tu as reçu ça, je l'ai rapporté. Si le monde se met à s'en aller, ça n'a plus le temps des ventes. Puis les louer peut-être encore moins, vu que c'est un peu. C'est pas dans le centre de la ville. Hein. Ça fait que je te dis que ça a fait bien des affaires à penser. Puis j'y pense encore, puis je ne sais pas quel bord que je me prends. Là, ils m'ont dit, le centre de main-d'œuvre, là, qu'il était pour faire une grosse affaire pour essayer là, de me placer. En Ontario, je ne suis pas me décider de m'en aller. Mais il ne marche pas le point, moi, à glace. Une fois rendu là, je dis, ça ennuie trop, ça va être difficile de s'en revenir, pas d'argent.
retourné à rire des planchers. Je vous dis que c'est pas un job qui... D'ailleurs, il faut en faire travailler quasiment jour et nuit pour être capable de s'arracher. C'est bien dur à part de ça. Et puis, je... Non, je vieillis aussi. Et puis... Les petites chocs qu'il y a, là, ça ne rapporte pas assez pour être capable. C'est correct qu'une femme qui a inquiète à penser, mais quand on fait semaine de la vie, mais l'autre qui sont aussi sur l'endroit de la table, elle va pas avoir peur d'arriver avec ça. Oh, we've discussed it very, very frankly with the union people, and they see it. I mean, there's no arguing with the thing. But, you've got to go, you've got to go, sort of thing. So that's the Quatico. C'est quand même qu'on fera des pressions, puis il y aura des rumeurs que ça ne ferme pas. Ça ferme, c'est décidé. Il a dit de bien croire ce qu'il dit, puis c'est vrai. Il veut déménager, tu es où? Tu as bien le droit de déménager. Il ne faut pas se faire de pression là-dessus. Son livre le fait ce qu'il veut, son père aussi. C'est décidé depuis 2 ans, ça. Il n'y a rien à faire. Parce que je me souviens, moi, il y avait une usine qui fermait dans un comté. Et puis, même le premier ministre est intervenu pour essayer de leur faire changer d'idée. Puis, ils n'ont pas changé d'idée. Après tout, c'est leur capitaux, ça. Ils ont le droit d'aller les faire fructifier là où ils veulent. On a toujours été un petit peuple, toujours eu des grosses familles. Puis, tout le monde était intéressé. Les enfants, il y a quelques années, les enfants de 12 ans, 13 ans, ont travaillé dans le textile. Vous avez dû entendre parler vos grands-pères que, il y a 30 ans, 40 ans, on s'expatriait aux États-Unis, puis ils faisaient travailler les enfants de 9 ans. Les familles au complet travaillaient dans le textile. Alors, l'industrie du textile, ça a été peut-être la première industrie manufacturière importante du Québec. Elle est apparue ici vers la fin du 19e siècle. Elle a coïncidé avec le démarrage de l'économie canadienne. Pourquoi on a eu des fileries, pourquoi on a eu des moulins de textile au Québec? Ben, c'est parce qu'ici, on trouvait une main-d'œuvre abondante. Et à ce moment-là, comme d'ailleurs encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, les textiles, c'est un produit qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre. Un acte d'accusation a été porté au mois d'octobre 1947 par le procureur général de Sa Majesté le Roi, Georges VI, pour la province de Québec. Dame Vladimir alias Valdimar Bjarnason, née Madeleine Parent, R. Kent Rowley, Asilus Bocage, tous trois de la cité de Montréal, ont ensemble et avec d'autres personnes à être ultérieurement identifiés, formé une conspiration séditieuse et y ont participé par des propos, des gestes, des actes ou autrement avec l'intention de troubler la sécurité de l'État, de créer du mécontentement, de la désaffection et de la haine à l'encontre de l'ordre public ainsi que des lois et institutions établies, de promouvoir la discorde et l'inimitié entre différentes classes ou sujets de Sa Majesté, mettant en danger la paix, l'ordre et la sécurité publique. Les personnes surnommées commettent par là l'offense de conspiration séditieuse prévue aux articles 133 et 134 du Code criminel. Signé Maurice L. Duplessis, procureur général de la province de Québec. En 36-37, les syndicats catholiques avaient fait l'organisation, puis il y avait eu la grève dans les usines de textile coton en 37. C'était pas une grève en réalité, ça. Cette grève-là, c'était une retraite, plus ni moins. On allait piqueter aux barrières et tout se faisait au sous-sol de la cathédrale de Belleville. On s'en allait là, ensuite. Le cardinal du temps, c'était moi, c'était le cardinal du temps, avait demandé un règlement pour que ça en vienne à une entente. Il fallait qu'il y ait une entente parce que ça faisait déjà assez longtemps, puis il fallait que les gens travaillent. Je suis pas prêt à dire que le cardinal, les Anglais, les ceux qui travaillaient au moulin de coton, ils nous disaient carrément, votre cardinal, il s'est vendu. Il s'est réellement, il s'est vendu. Il a conseillé aux gens d'entrer, puis
Vous êtes vous habillé de rien. On n'a rien gagné. Alors, lui, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais les autres n'étaient pas des catholiques. Nous autres, comme catholiques, on n'est pas prêts à dire que le cardinal serait vendu. Dans un vendu, ça ne rentre pas dans l'idée. Mais seulement, il s'est fait rouler. Ça, on va dire ça, il s'est fait rouler. Il était de bonne foi. Mon arrangeur de métier, c'était le vieux Sidney Anderson, c'était un écossais, qui sauta, c'était pas ça. Par des mois de grève, perdu mon argent, perdu toute ma... endetté jusqu'aux oreilles, il était pas ce cardinal-là, là, il s'est vendu comme une vache. Vois-tu dans 37, la manière que Duplessis avait dit à Monseigneur, au cardinal, si je vais régler, d'abord je m'en viens avec mon salaire raisonnable, moi. Faites entrer vos gens, m'en viens, moi, avec mon salaire raisonnable. C'était la loi, là. Oui, il s'en venait avec ça s'en venait, ça. C'était à prochain. Je m'en viens avec la loi du salaire raisonnable, alors, il n'y a pas de problème. Il fallait qu'il l'ait. Il fallait que ça passe. Mais le malheur qu'il y a, c'est quand il a passé sa loi du salaire raisonnable, ben, c'est à 2 cents en bas de nous autres. Heureusement que la compagnie n'a pas consenti à prendre son salaire raisonnable. Si elle avait pris son salaire raisonnable, on se faisait couper de 2 cents. On se faisait couper de 2 cents. Dans les premiers temps qu'on commençait là, on était correct. On était comme les gars qui travaillent là. Hein. Ça fait pas de nombre d'années, on commençait à faire toujours comme ça. Ça a toujours porté à tout ça, tu sais. Et en fin de compte, ça avait vu, ça s'est engravé. Là. On était plus capable de souffler. Moi, je calcule que ça doit avoir pris 15 ans. Oui. C'est moins pire, comme, quand on est jeune, hein, c'est moins pire. Hein. Et moi, je calcule 15 ans. Surtout des dernières années qui ont posé l'air conditionné. Ça doit faire de ça 11 ans qu'on va poser ça. Avant que je choque, mais là ça fait 3 ans que je suis sorti, ça fait 14 ans. Mais quand ils ont posé l'air conditionné, on a attrapé un gros coup de tout. La poussière était plus basse. Hein. Là, on m'achappe en 6 pieds de paraisseur, là, de hauteur, là, quand le soleil paraissait bien vite, parce que l'autre bord, là, on voyait une belle barre, là. Ça, c'est de la poussière, là. Dans le bas, c'est clair, là. J'ai dit, moi, à monsieur, il est mort, là, cette heure, là. C'était un boss nouveau qui avait envoyé ici, monsieur. Quand je vais le dire, je pourrais pas le dire, là. Un bon boss, ça me met. Il avait fait le même chose, parce qu'on rentrait, puis il avait envoyé ici. Et on parlait de différentes affaires. Puis il dit, tiens, il dit, tu es quand même me prouver que c'est ça, là. Il dit, il n'a pas tant que ça, poussière, ça. Monsieur Mathieu. Vous avez vu Monsieur Mathieu dans le lien, ça va qu'il n'a pas de poussière. Oui, mais il n'a pas tant que ça. C'est correct. L'autre bord, c'est la textile du canal, là, l'autre bord, là, il y a des châssis, là. J'ai ôté une vitre, moi, là. Petit carreau de vitre. La nuit, j'ai ôté ma vitre. Dans le jour, avant le soir à minuit, je mettais la vitre. C'est une bonne fois, j'étais avec M. Mathieu, j'ai dit, de longtemps que vous me dites, vous allez avoir des preuves, hein, qu'il y a de la poussière ici. J'ai dit oui, il dit comment venir. J'ai dit oui. Je l'ai emmené, là. Il y a un clair, là. L'air, ça tirait là-bas. J'ai vu David qui a cassé sa couverture, là. Il y a quasiment un pouce de poussière, là. La grandeur de ma vitre. J'ai montré, mais il m'a dit. J'ai été super, il m'a montré. Il a mis de la poussière. Il dit comment ça fait de penser à ça. Alors, il dit ben, tiens, mais ils ont l'air de chasser, ils vont l'avoir sorti la poussière. Il m'a ôté une vitre, il m'a montré. Il a dit, mais toi. Il savait pareil comme nous autres, il savait pareil comme nous autres. En dernier, moi,
faisait comment 4-5 ans que je descendais en taxi ce soir, je suis pas loin. Pas tant d'avoir rien en haut, je m'en venais sans taxi ce soir. À même nuit, ça paraît, puis fin. En sortant, du moment qu'on prend une fraise d'abord, là, on est-tu fanette? Je descendais en taxi. Oui, 4 ans certains. Quand je suis ici, il n'y avait pas une demi-heure, une heure, à quoi être capable de s'ouvrir la bouche pour parler. La bouche. À une minute, tu ouvres la bouche et parler. Même une soirée, 4-5 heures du matin, je ne suis pas capable de dormir encore. Coucher avec des oreillers dans le lit. Mais... c'est bien qu'il y a bien des maladies qui sont pires que ça, mais ça n'est plus une bonne, ça. Il y a Joseph Anadeau, Albert Henry, Malda Lapierre, je sais pas s'il était bien mort, je sais pas, il était pas fort, il a sorti. Je pense pas que c'est mort, Malda Lapierre. Victor Morissette. Il y avait au Rassor. Au Rassor, il est mort. Tous les gars qui ont travaillé plusieurs années, là, ils ont tout ça. Il n'y en a pas un qui n'a pas ça. Quand ils m'ont transféré, dans les offices, le concierge, M. Bégin, on l'appelle M. Bégin, c'est notre super. À toutes les soirs, dans la semaine, des fois, il passera en mode, comment ça va, Lucien? Il va se faire son office, il va se faire des comédies, tout ça, tu sais. Pas trop bien. Hein? Il m'a forcé. Une bonne fois, j'ai descendu en bas. Puis ça, quand on t'a pris de main, on a dit que t'as manger qu'il nous fatiguait, tu sais. Peut-être qu'on est tout fort, hein. Puis j'ai demandé un coup de sel de fruits à l'office en bas, au frontière même de la lettre. Il m'a donné un coup. Puis il avait donné du mot. Je sais pas s'il a remarqué quelque chose, la tête, quelque chose. Et quand j'ai pris mon sel, j'ai monté en l'air, je me suis assis, puis j'avais tout fort, hein. Ben, il a dit, mot arrivé, il était tout fait. À frontière même. Là, ils m'ont pris, ils m'ont descendu, ils m'ont envoyé le docteur. Là, j'étais 3 jours sans rentrer. J'ai rentré, j'ai eu du verre, puis M. Bégin, il dit, t'as été malade ici? J'ai dit, oui. Comment ça va? Il dit, ça va pas trop pire. Il pense, prends ton temps. Ça n'a pas grand-chose. Il dit, que t'es pas été à soigner. Le restant de la semaine, je lui ai dit, vendredi, je fais tant que ça. Le lundi, il vient me trouver du sien. Il dit, comment ça va? Au pire, je n'ai pas commencé à travailler encore. Il dit, pas tant long. Il dit, t'es plus capable. Je lui ai dit, c'est vrai. Là, je suis emmené. J'ai pas tout de même. Ils ont payé mon syndicat un an de temps. Ils ont payé ma revoirie un an de temps. En question, ils m'ont pas donné de pension. C'est comme ils disent, ils n'ont pas le droit. Parce que je suis trop jeune. C'est ça qui est ça, monsieur. Si la compagnie arrivera, là, puis qu'elle a dit qu'elle s'est arrivée, elle a dit... très la balade de la poussière. T'as mon travaillant, on va lui donner, mettons. Son dossier était blanc. On va lui donner, mettons, une affaire. Ça ne manque pas gros, mais je dis ça comme ça, 30-35 heures par semaine. C'est nous autres qui l'a rendu malade. Il aurait dû mettre une noix. Ça m'aurait pas ôté ma maladie.
traitait des communistes, on nous traitait d'avoir toutes sortes d'aberrations personnelles extraordinaires. Moi, j'en ai eu une indigestion pendant 4 jours, une fois à Valleyfield, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger, tellement ça m'avait fait quelque chose, mais après ça, on s'habitue. Vous avez accusé de quoi? De... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le sodomisme? Ah, la sodomie. La sodomie. J'avais 25 ans, puis ça m'avait tellement écœurée. J'étais là-bas en pension. Alors, il y en a eu de toutes les sortes. C'était encore le même problème. On avait peur parce qu'on avait perdu dans le passé. Il y a des gens qui avaient perdu leur emploi. On avait peur de la puissance de la compagnie et de son sens anti-syndical. Mais on prenait courage tout de même avec beaucoup d'efforts. Les gens s'influençaient les uns les autres, se donnaient courage. Et on se groupait. Et puis, ça finit par faire un syndicat. On nous arrêtait pour obstruer le passage libre des gens au moment de piquetage ou de démonstration quelconque. Et en plus de ça, ils recueillaient tous les renseignements qu'ils pouvaient sur les militants dans l'organisation pour transmettre ces renseignements aux compagnies. Cette escouade de la police municipale travaillait avec les compagnies. Par exemple, la compagnie Dominion Textile avait des camions qui étaient protégés de toiles, de ferments, enfin de tout, où, dans lesquels ils allaient chercher des gens dans leur maison pour les emmener travailler. Et ils étaient escortés en avant et en arrière par la police municipale. Et quand vous approchiez comme piqueteur de ces camions, il y avait des gardes costumés sur le haut des camions avec de grandes chaînes qui jouaient de ces chaînes sur les piqueteurs. Et les camions passaient dans la cour de l'usine. Et on emmenait les scabs travailler comme ça. On pourchassait les piqueteurs, soit avec la police à cheval ou les polices en motocyclette ou à pied, dans toutes les rues du quartier. Et il y avait un tas d'arrestations. Il y avait cette autre propagande de la compagnie selon laquelle elle disait qu'elle allait fermer les usines et en ouvrir ailleurs, pour essayer de faire croire aux gens de Québec que l'industrie du textile disparaîtrait d'ici s'ils revendiquaient trop. Blair Gordon avait déclaré lui-même qu'il démolirait ses usines de la province de Québec plutôt que de consentir à signer une convention collective. Ça, c'était avant la grève de 1946. Seulement, la convention collective s'est signée et puis les usines sont restées. Mais c'était une manière de menacer que les capitaux s'en aillent ailleurs. Et la première convention collective à Valleyfield a été signée en novembre 1946. Seulement, ils nous ont sortis une fois, en 1944, avec l'aide de Mgr Léger, qui était auxiliaire de l'évêque à ce temps-là. Monsieur le cardinal. On avait gagné de haute lutte, celle-là. On avait gagné de haute lutte, puis on avait un contrat. Les gens étaient contents, on avait cette fois-là un contrat. Des gens même qui venaient pour la première fois à nos assemblées se levaient spontanément. Hein. Moi, j'ai ça, puis il n'y avait pas peur. J'ai ça, puis c'est ça. J'ai ça, puis j'ai ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis là, on a discuté à son grief, puis on n'a pas perdu nos grief. Non, pas drôle. On est gagnés, puis on... Mais on avait un contrat! On avait un contrat, quelque chose qui était solide. On avait une sécurité. On avait une sécurité. Et puis, si vous me croyez, si vous avez des doutes, formez-vous là. Mais même actuellement ça fait 20 ans là, de ça. Vous voyez les vieux.
parler d'eux autres. Ils ont dit, ah, eux autres, oui. Eux autres, on est à défendre. Ça a été le bon temps. Maintenant, moi, j'ai jamais pu me mettre dans la tête. Je ne suis jamais capable pourquoi se fait une femme ça. Parce que ça, ça coûte pas cher à René, cette patente-là. Ça, c'est une affaire certaine. You just can't survive today in keeping the machines going 8 hours a day, 5 days a week. I mean, the competition is too tough. So we have to have less machines running more hours, and that's what it is. But what kind of responsibility do you feel towards the people, let's say, of Quebec? Well, we feel a lot of responsibility, and maybe we shouldn't, but I think, personally, I think we should feel a degree of responsibility. And we feel the same responsibility that we felt when we closed Merchants down here in Montreal and we closed a specialty plant in Valleyfield. And we intend to go through the same mechanics of setting up a commission in federal government, the Quebec government and ourselves to try and work out something. Le comité de reclassement est créé en général à brève échéance, il suffit que le syndicat, que la compagnie soit d'accord et à ce moment-là, automatiquement, le gouvernement fédéral envoie des représentants et le gouvernement provincial envoie des représentants. Le problème, c'est que la compagnie et le syndicat s'entendent parce que les deux gouvernements favorisent la mise sur pied de ces comités-là. Des comités qui ont de grands avantages parce que, somme toute, le but du comité, c'est de replacer les gens. Ça veut dire donc que les listes d'assurance chômage et les listes d'assistés sociaux automatiquement s'en trouvent réduites et ne seront pas gonflées par la fermeture de l'usine. Le comité lui-même n'a pas tellement travaillé de ce temps-là. L'inventaire de tous les employés est fait, de toutes les capacités en fait, d'instruction, de spécialités qu'ils sont capables de faire, de choses qu'ils voudraient faire mais qu'ils perdent d'ici. Tout l'inventaire est fait. Mais par contre, ça n'a pas été utile en jusqu'à date parce qu'il n'y a eu aucune mise à pied pour que le comité puisse travailler. Actuellement, aucun employé ne peut dire où il va aller, il ne sait pas. Non, on attend les événements un peu. Ça va dépendre de ce qu'ils vont fermer, qu'ils ferment, de ce qui va prendre la place s'il y a quelque chose que tu pourrais remplacer. À part de ça, on n'est pas prêt d'avancer rien. On ne sait pas même. On n'ose pas y penser. On va attendre. J'ai travaillé une semaine pour une compagnie, puis quand j'ai eu le temps de partir, vous lui demandez de me fixer un salaire, ils ont dit. Vous êtes fini, venez à voir. Vous n'avez plus de job, vous êtes pris, là, viens voir. On dépend. Ouais. On va te dépendre, on va te prendre un meilleur marché. Pour ça. Quand la shop a dimension de fermer, les autres manufactures ont été avisées de ne pas prendre aucun employé de la Penman quand la manufacture ne sera pas fermée. C'est vrai, ça. Il y a eu une entente entre les bureaux. Il y a eu une entente entre les compagnies de ne pas prendre un employé de la Penman quand la compagnie ne sera pas fermée. C'est pas juste, ça. Et puis moi-même, je suis informé à une shop ici, et puis ils m'ont dit c'est de l'avertissement qu'on a eu. Elle était faite pour que, par exemple, un employé, par exemple, qui travaille au Penman, ne peut pas, par exemple, aller à Sélanis et dire je dois avoir un emploi. Là, il demande travailles-tu actuellement au Penman? Si le gars dit oui, alors il dit non, on n'a pas d'emploi pour toi. Et là, il a répondu finis au Penman, puis viens nous voir. Là, on va t'en donner un emploi. Et si tu travailles encore là, on t'en donne pas. Je peux pas dire telle date, ça va être fermé. C'est impossible. Parce qu'on va fermer. On déménagera pas toutes les lignes en même temps. Ça va procéder par étapes, tel que dit auparavant, tel que prévu. Ouais. Autre question indiscrète, est-ce que vous avez des contrats, par exemple, pour opérer jusqu'au mois de septembre ou au mois de janvier? On a des commandes, ça, mais monsieur, que les lignes sont transférées, c'est des moulins. Les commandes sont transférées aussi. C'est ça. Mais monsieur Gignac, M. Tremblay a posé, je pense, une question qui est très importante. Si je comprends bien, il n'est pas possible pour la compagnie de nous donner, au comité, ça pourrait être gardé secret, un échéancier qui pourrait favoriser le travail de reclassement.
Ils ont dit si, parfois, on dit que ça va fermer au mois de janvier, après ça, ça peut aller au mois de juin. Ils ont dit si la main-d'œuvre ne diminue pas trop vite, vous allez pouvoir vous rendre au mois de juin, mais si elle diminue trop vite, vous courez une chance, ça ferme au mois de janvier. Qu'est-ce qu'ils font? La minute neuf qui part, ils le remplacent à mesure. Ça fait que la main-d'œuvre diminue pas. On ne peut pas opérer si la personne tient à rester à votre emploi jusqu'à la dernière minute. Et puis, on ne sait pas quelle est cette dernière minute-là. Est-ce que ça sera dans un mois, deux mois, trois mois? On ne sait pas. Que les employés ne sont pas prêts à s'en aller. Ils vont rester jusqu'à temps que ça ferme, jusqu'à temps que la porte se barre. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Hey, Jean-Paul, il y a tu dit qu'il y a des chances qu'il y ait une compagnie qui achète ça? Le gérant a dit, le gérant général, la semaine passée, qu'il y avait des possibilités de vendre à une autre compagnie pour une ligne semblable. Mais semblable, ça ne veut pas dire que ça va être souhaitement, parce que c'est sûr qu'ils ne vendront pas un compétiteur. Ils vont vendre. Ils vont dire, possiblement, qu'on essaiera de faire un bon prix autant que possible pour garder une usine pour employer la main-d'œuvre qui va être mise à pied. Mais ça, on ne sait pas que ça va se produire. Les transactions qui vont se faire ou qui ne se feront pas, on n'en sera pas au courant. Donc. Et ils ne peuvent en aucune façon se prononcer. Somme toute, il faudrait travailler ici au comité comme si personne n'allait acheter l'usine de Quaticook et comme si aucune autre usine n'allait s'installer dans l'usine actuelle de la compagnie Penmans. Les industries ne nous laissent pas regarder dans leurs livres comme on veut. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de loi qui oblige une industrie à montrer son bilan, si vous voulez. Elle peut nous expliquer leur prix coûtant de telle marchandise, mais seulement. Ils ne nous laisseront pas analyser, si vous voulez, leur livre de fond en comble. Bon, ben, j'attends que ça ferme, puis après, ben, je vais regarder me trouver de l'ouvrage. Parce qu'ici, à Quatico, que je suis pas intéressée. À rester ici? Non. Premièrement, le salaire est pas assez élevé. Puis d'ailleurs, les opérations sont assez rares aussi. Il n'y a pas d'avancement, donc. Que j'attends que ça ferme, puis après, ben, je vais aller en dehors travailler. Voir pour trouver quelque chose dans la même ligne, si possible. Mais je sais pas. Encore, pas de projet. Je pense à aller où? D'un gros centre assez, parce qu'ici, alentour, disons, comme Mega et Grimby, par exemple, s'il y a seulement une usine, si on y slaquait quelque chose, bien, pas de possibilité d'aller ailleurs. Mais si on a un centre comme Montréal, par exemple, ou quelque chose du genre. Lorsque je me suis rendu ici à Montréal, les gens disaient, eh bien, tu fais une folie, tu fais une gaffe, tu te pars de Montréal toute seule, tu vas t'ennuyer, tu vas trouver ça long. Et je me suis dit que ça pouvait pas être pire quand même que c'est là-bas à Quatico. Entre la vie et la mort, écoutez, voici la vie. C'est Duracell, la cellule d'énergie. Le village tchécoslovaque de Svidnik ont accidentellement mis le feu à leur caserne. Pour
People don't quite know, the general public doesn't quite appreciate the position that we stand in Canada. I'm talking off the top of my head now, but I think we're the third largest employer of people in Canada, and I think in the province of Quebec, the textile, taking apparel and the primary, were the first, the highest employer. Wow, okay. Salut. Courage, Pointu. Type 64. So the warp will be dyed and the filling will be undyed and we'll have the outside. When will we have these out? Well, they're going to be out for this spring, Mr. King. Hey, did I give you my MO3 form? You know, that's that record of shipments from the computer. This is for the... this is slack trade, eh? This is slacks. And the rest of it's going to be shirts. You can make checks. On était home chez moi. Et j'étais le plus vieux. Sur une terre
très, très prospère du bas de Québec. J'étais attaché à la terre pour m'en manger. Pour m'en manger de la terre. Ce que je regrette bien, c'est qu'il n'a pas été plus productif, qu'il n'a pas été plus rentable. On sait bien, il n'était pas capable de, avec 44 arpents de terre faite, il n'était pas capable de faire de miracles. Les miracles, ça, ben, ils n'ont pas tant de jeunes que ce qu'ils sont là. Et puis, moi, de parce que je vois qu'on ne doit pas mal parler devant nos enfants. Mais moi, je suis rendu à un point de croire qu'il n'y en a plus. Ça n'a jamais existé. Les politiciens qui veulent qu'elle se promener là, tous les 3 ou 4 ans, qui disaient, écoutez, on va vous en faire des belles choses. Vous avez une ressource immense, la forêt, le fleuve. Il y avait à peu près rien que 5000 de terre qui était cultivable. Puis il disait, là, en haut, là, c'est ça, il peut avoir des mines, là, là. Dans le bas du fleuve, tout près de Montmagny, 45 000 de Montmagny. Je ne sais pas si tu peux... Tout près de les frontières du Maine, entre le Maine et les frontières canadiennes. Si on est venu à Quaticook, c'est parce que là-bas, on ne pouvait pas travailler, premièrement. Mes frères, mes sœurs ont décidé que travailler dans des petites places comme ça, il n'y avait pas rien. Alors, à ce moment-là, ils ont décidé, eux, de venir voir à l'industrie à peu près comme moi quand j'ai parti de Quaticook pour venir ici à Montréal. Mon père, on était d'abord né sur une ferme. On a resté à peu près, quoi, j'ai demeuré 13 ans sur la ferme. Comme la ferme ne rapportait pas assez pour faire vivre la famille, qui était assez nombreuse, alors mon père, il a décidé au début de vendre toute la ferme, y compris la maison, tout ce qu'il y avait là, en fait. La première usine que j'ai faite, on fabriquait des chaises pliantes, des chaises de soleil. Il fallait sauser ça dans la peinture, hein? Il fallait suspendre ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rentré dans les départements de peinture, quelle odeur il y a. Alors, on y reste pendant 10-15 minutes. C'est du vernis, ça prend tant de minutes avant que vous soyez étourdi ou complètement sous. C'est du primer, ça prend à peu près le même temps que le vernis. C'est de l'émail, ça prend un peu plus de temps que le vernis avant de vous saouler, là, que vous deveniez un automate dans le parmi tous ces paquets de chaises d'oxygène. Alors, j'ai travaillé là environ 2 mois. Et il est venu un temps où, à un moment donné, on n'a même pas besoin de souper. On arrive le soir, on est sous, on arrive à l'usine. À la maison, on se demande comment ça se fait qu'on est rendu là, on se couche, puis... Ben, des fois, t'ouvres pas tout le linge qu'il faudrait que t'ouvres, puis... Tu t'endors, mais ça n'a pas de bon sens. Et ça existait à ça. On nous avait payé, il y avait eu quelques accidents. Un gars, par exemple, avait tombé dans les bleus à la suite d'intoxication, tu sais. Il était allé se jeter dans une scie, quelque part. À ce moment-là, il était venu les inspecteurs de la loi des accidents du travail. On avait dit, au lieu de leur faire boire une pinte de lait dans une journée, vous allez leur en faire boire 2. Et ça va les aider à se désintoxiquer. Et puis, ils devraient avoir une période de fraîcheur. De toute façon, à ce moment-là, j'avais décidé qu'un bon vendredi, là, il fallait que je fasse quelque chose. Puis, il vient un temps où on dit... Il faut presque faire un choix entre un suicide ou un... En tout cas, j'ai décidé, je vais voir ailleurs. Alors, un de mes amis qui m'avait dit de voir venir voir à l'usine Asmon, il en prenne de ce temps-là. Well, anyway, it was in 1920. I guess it was 15, yeah. And in Verdun, in 1920, you see. Oh, office boy... come stenographer, messenger boy, and so on and so forth. I had finished school that year, and when I was on vacation, and this opportunity came up, so my father told me about it, and I,
Là, on m'a embauché. Embauché de nuit. I never actually worked in the plant, when I say at any occupation in the plant. I worked in the mill office, and I spent a lot of time in the plant, both doing errands and observing, you know, as an interested spectator. But I never actually had any technical background. Au début, quand je rentrais là, tu sais, le bruit que ça mène. On travaille à l'usine 24 heures sur 24. Hein, parce qu'on laisse l'usine, puis on emmène l'usine avec nous autres dans notre lit, puis bing à bang, flic à flac, t'entends ça, moi, toute la nuit, tu dors, puis t'entends ça. Tu dors, puis tu t'es pas reposé. Alors, la troisième journée, j'ai dit, si c'est pas possible de gagner sa vie autrement que de la gagner de la faire des deux expériences que je viens de vivre, mais j'ai dit, est-ce que la vie mérite d'être vécue? Tu sais, à 17 ans, tu te poses des questions. Hein? Tu étais celui pour commencer à raisonner quelques situations. Alors, j'en avais un, j'étais sous la semaine sans prendre un coup. Un point que j'étais rendu, ça m'avait. C'était, je sentais que ça m'affectait le système. Et le deuxième, bien là, ça m'affecte la tête, j'entends plus rien. Quand j'ai commencé à travailler, d'abord, à ce moment-là, on pouvait commencer très, très jeune en ayant un permis, évidemment, du gouvernement pour travailler. Parce que si on n'avait pas un permis, on avait une amende à payer. Alors, j'ai commencé à travailler, j'avais pas mes 14 ans encore, j'ai commencé dans le domaine du travail, j'avais 13 ans. Et j'ai commencé au mois d'août, j'ai eu mes 14 ans en septembre. Alors, je suis arrivée, le patron, un gros patron, m'a demandé comme ça, il dit, est-ce que tu as de l'expérience, est-ce que tu fais quelque chose? Je lui ai dit carrément, non, je sais rien faire. Après tout, je sais même pas enfiler une aiguille. Qu'est-ce que tu fais ici, matin? Ben, j'ai dit, si vous me l'apprenez, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir l'apprendre. Les autres l'ont appris, ils ne savaient pas au début. Comme il a vu, j'avais besoin de travailler, que j'allais pas là seulement pour m'amuser, que je voulais faire quelque chose, que je voulais réellement travailler là-dedans, dans la couture, il m'a dit, je vais t'apprendre. Il s'est assis à côté de moi, par exemple, une journée de temps, sans bouger, là. De 7 h du matin à midi, de midi à 5 h, parce qu'on finissait à 5 h le soir, ça, dans ce temps-là. On faisait la journée de 9 h d'ouvrage. Il m'a dit comme ça, il dit, tu vas l'apprendre. Alors, il m'a tout montré, expliqué la machine morceau par morceau. Moi, je trouvais ça très, très compliqué. Enfin, je quittais l'école, j'avais aucune expérience. Et à ce moment-là, j'ai commencé sur une machine ordinaire. J'ai fini par apprendre la couture. In 1923, I was transferred up to the head office, which was then on Place d'Armes. No, it wasn't either, it was on Victoria Square. And there I worked on analyzing fabrics. That's taking fabrics apart and finding out how they're made and what kind of yarns and this sort of thing. Le temps faisant, le travail étant rare, les orienteurs étant rares aussi dans le temps. Et tout était rare, quoi. À ce moment-là, ben, j'ai presque été confiné à ce genre d'industrie-là. An opportunity came in the sales division, which required someone with a little technical background to investigate the possibilities of a developing new product. And I was around and I was there and I had this slight technical background. And so I went into the sales division. Ils ont dit, mon cher, tu vas
prendre des petites bobines qui sont un peu plus petites que la bouteille et tu vas mettre ça dans le magazine. Bon, un autre bon français, magazine, tu sais. Le gars du Bois de Québec qui arrive ici, le magazine, Bethlehem, Bobbin Boy, tu vas puncher ta carte, et puis, bon, chaud. Alors, comme on est rendu à s'habituer, puis tu comprends au remuement des lèvres à ce moment-là. Faut que tu fasses attention parce que tu veux garder ta job. Imagine-toi pas qu'on n'a pas le grain serré, tu sais. On vient d'avoir 18 ans, mais effectivement, on a 17 ans. On n'a vraiment pas de chez nous. Puis la paix avait une autorité chez nous. Puis bon. Alors, on s'installe dans l'usine. On me dit, tu vas remplir ces quatre métiers-là. Faut que tu fournisses, faut que tu fasses bien ça de telle façon. Puis s'il y a des problèmes, c'est le tyran qui est le weaver qui va te reprendre et qui peut te donner des indications. Mais j'avais eu la chance de tomber sur un contremaître. C'est un des contremaîtres les plus humains que j'ai jamais rencontré. Je sais pas si ma sympathie est allée vers lui parce que c'était mon homonyme. C'était un ami Saint-Homme, aucun lien de parenté. Mais un bon boss, un bon homme, là, de la crème. Là, bon garçon qui est capable de faire n'importe quoi à un employé, même les plus agressifs. Mais un bon homme, tu sais. Gentil, qui m'a donné un certain nombre de trucs pour que je puisse parvenir à faire le métier convenablement, à la satisfaction et de la compagnie et du weaver, tu seras en fait ça. Alors, mon affaire va bien, je suis parvenu à faire un bon bobbin boy. Et puis on me dit, le boss me dit, il y a une ouverture comme tyran. When the company went into the use of artificial fibers, you know, or synthetic fibers or man-made fibers. They were originally called artificial silk, and then they were synthetic, and now man-made fibers. I was also around, and again, once again, with my slight technical background, I got an opportunity then to get into the man-made fiber area, which was perhaps the best thing that ever happened to me in my life, and because it was something new and it was something developing, and I developed with it. Il dit, je vais te donner un truc. Parce qu'il dit, pour commencer, c'est sûr qu'il va falloir que tu apprennes à faire un nœud tissant. Alors, tu vas le faire 50 fois, puis tu vas peut-être bien s'attacher une fois par hasard, tu sais, les premières fois. À un moment donné, il m'a montré comment pogner le truc, il faut que tu tiennes dans ton pain. In 1945, after the war, Burlington Mills came up here, Burlington Mills is a company in the United States, and they were going to establish a business up here. So our company and Burlington Mills, the heads of the two companies, got together and they mutually decided that there was a community of interest here, and instead of starting two separate things, maybe if we got together. So there was a marriage, and the company was formed, Dominion Burlington Mills, and here again I was there. And so I became vice president and general manager of this new outfit. Alors, à ce moment-là, j'ai fouillé dans les têtes, j'ai fouillé dans les quatre poinçonnés, les jacquards. J'ai appris le principe jacquard. J'avais un boss qui me disait, quand tel morceau fera des fous en bas, il faudrait que tu aies à telle place dans la tête pour voir, parce que ça dépendra de ça. Alors, j'ai tout fait de cet apprentissage-là. Et à ce moment-là, ben là, me voulait installer Joe et je file. Avant que je parte de là, il m'a dit, je vais t'apprendre le flatlock. Le flatlock, c'est une machine qui est très, très compliquée. C'est la machine la plus compliquée dans une industrie. C'est très, très fatigant aussi. Je pense que c'est la machine qui est plus fatigante, le plus compliqué. Enfin, c'est tout le... À ce moment-là, il m'a dit, t'es jeune, t'as le temps d'apprendre. J'avais 14 ans, à peu près. J'ai commencé sur la flatlock. À ce moment-là, ça me donnait très, très mal dans le dos. J'arrivais chez nous le soir, je pleurais, je filais pas pour manger, je filais pas pour voir personne, je voulais rien savoir, en fin de compte. Je me renfermais dans ma chambre, je disais pas un mot. À ce moment-là, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, ça sert à rien, c'est trop compliqué, je démissionne. Puis ma soeur qui travaillait avec moi, elle dit non, elle dit, faut pas que tu lâches, ça va venir avec le temps. Alors, j'ai dit, d'accord, je vais faire un effort encore, mais si ça va pas mieux, dans un mois, je lâche tout. Alors, avec le temps, je me disais, ça va revenir.
J'ai continué, en fin de compte, pendant un mois, deux mois, et avec le temps, je me suis aperçu que ça devenait moins compliqué. Au mois d'avril, ouverture. Comme mécanicien, puis là, ils ont besoin, puis tout de suite, puis bon, ça va. On a dit, là, on te donne ta section, t'embarques le dimanche soir là-dessus. Là, on était rendu à trois équipes. Alors, effectivement, en bac là-dessus, les premiers temps, inutile de dire que, hein, on se cogne les doigts, puis on a de la misère. Mais on passe au travail. Et depuis ce temps-là que je suis mécanicien, ça fait de ça 6 ans déjà. J'ai un bon d'épargne là, sur ma paye. J'ai eu une augmentation dernièrement. Et puis après ça, c'est parce que ma paye n'est pas régulière. J'ai une prime d'équipe de Cessine. Alors, quand je suis de nuit, j'ai Cessine, j'ai 2,80 de plus sur ma paye. Mais, en tout cas, 2 piastres, c'est 3 de l'heure multiplié par 40 heures. Ça fait 80 et... Brut. Ça, c'est brut. C'est brut, ça. Okay. Il doit me rester à l'entour de 72, 73. Moi, je fais de la couture. Mais pas uniquement de la couture pour moi, je fais de la couture pour les autres. Pour les autres. Moi, je dirais qu'à part de ce que je vais me chercher à l'usine, là, je vais sûrement me chercher une vingtaine de piastres par semaine. De sideline. Même, je mettrais plus que ça. C'est extraordinaire, sideline, qu'est-ce que ça peut être, une sideline. J'étais un peu loin de l'usine, ça me donne 1,5 mille. C'est pas ça qui exige que j'aille une auto, mais j'ai une auto. Et puis, en m'en allant à l'usine, là, je prends des copains, des confrères de travail. Alors, vois-tu, ça, j'en ai 7 de ça. Ça me donne... chacune là, de ces personnes-là me donne 2 piastres par semaine. Ça me fait 8-14 piastres. Et puis, à part de ça, ben, je fais de l'entretien l'été. Je fais de l'entretien de parterre, lavage de vitre. J'ai des endroits là, où j'entretiens à l'année. Montage de piscine... Je fais bien des choses. 50 métiers, 50 000 ans. Il y a des logis qui se vident. Les gars m'appellent. Des fois, j'ai été laissé en mauvaise condition. Faire du nettoyage. Faire tout. Ce qu'on peut. L'embêtement qu'on a, nous, les équipes, ça, c'est un embêtement. C'est des représentations qu'on fait à la compagnie, ça, lorsqu'on a discuté le temps supplémentaire. C'est 15 jours de 7 à 3, puis 15 jours de 3 à 11. Ça tourne ça de même à l'année. Alors, si je travaillais de 7 à 3, je pourrais sûrement là, me trouver là, un à côté, je sais pas moi, le vendredi soir, par exemple. Puis le samedi matin, je pourrais peut-être travailler dans un magasin de chaussures. Il y aurait un tas de possibilités. Mais quand je travaille à 3 heures, veux-tu, tout ça, c'est pas possible. Alors, il faut que tu tentes de trouver d'autres choses. C'est arrivé drôlement. C'est là, toute l'année passée, là, il y avait besoin d'un helper de nuit, Gabriel. Je finissais à minuit à manufacture, mais on est 7 à minuit dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, t'es joué ou quand j'étais rassasié de ça, ils m'ont dit à ce temps que t'as d'expérience, on te fait travailler. Alors, 3 jours par semaine? À peu près, deux des fois, trois, ça dépend. Comment ça, 8 heures? 8 heures à 1 heure. Des fois, ça va jusqu'à 3 heures, mais dans ce temps-là, on va dîner à 1 heure.
Tu vas dîner une heure, puis tu... Prends une heure pour dîner. Tu prends une heure pour dîner, puis... Tu reviens travailler ici à une heure? De 1 heure à 3, tu sais. À 3 heures, midi à 1 heure, 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 pour manger, puis de 1 heure à 3. Après ça, à 3 heures, je vais avoir mes heures, puis... Mes déchanges, puis... Je vais retourner à manufacturer. C'est pour ça, il fallait que je fasse deux jobs pour être capable d'arriver. J'étais une secours, je lavais des planchers, puis je travaillais à ça. Je faisais mon ouvrage à la maison de nuit. J'avais soin de mes enfants, puis après ça, ben, là, j'ai commencé à vendre des œufs tranquillement. J'ai commencé avec 37 poules. Au bout de 7 ans, ben, j'en avais 2000. Ça fait que là, ben, quand ma fille vieille s'est mariée, là, j'ai tombé avec une petite fille de 13 ans à la maison. Et puis j'en avais 67 encore. Ça fait que là, avoir 2000 poules dans le poulailler, les nettoyer, puis laver ces œufs-là, puis aller vendre ça. Je faisais mon ouvrage, je lavais mes lavages le dimanche, puis j'ai connu que c'était que la misère pour être sûr. Là, bien, après que le plus gros des profits était ramassé des œufs, là, je les ai vendus pour la viande. Et puis ça, bien, j'ai gardé ma run d'œuf pareil. J'ai acheté à Compton d'un gros producteur qui avait 18 000 poules. Et puis, j'ai regardé ma run, je faisais moins, mais je travaille à moins, malgré que j'en ai passé bien des dimanches dans la cave à laver les œufs. On demande à 412 par semaine. Le matin, ça va être encore le même chose. Je me lève autour de 7h30, je pars mon train, et après le train, je déjeune, puis ensuite, j'ai à boucher, et c'est moi qui vends tout ça, les cochons qu'on a fait boucher. C'est moi qui ai le job de tout vendre les cochons, le vider, le trapézer, passer la balance. Bon, 9h30, 10h15, on commence. Vous allez finir à quelle heure, là-bas? Quand ça va bien, autour d'une heure, 1h15, on a fini. Je m'en viens ici, je soigne mes cochons, je me lave, je mange, envoie à ça. C'est compliqué, c'est assez compliqué de s'adapter, je pense, dans les manufactures ici. Parce que la plupart, c'est des immigrés. Ce sont des Italiennes, par exemple, qui travaillent. Les autres, ça ne dérange pas, ils vont travailler 20 heures par jour, si tu veux, pour une pièce de l'heure, ça ne dérangera pas, pourvu qu'ils font un salaire, qu'ils travaillent. Tu vas te dire, je vais faire un ouvrage, par exemple, pour une pièce 50 $, les autres vont arriver, ils vont la faire pour une pièce 25 $. Juste pour dire qu'ils travaillent. Mais ils vont travailler, je sais pas moi, comme des fous pour faire une affaire de rien. Parce que les autres, ils peuvent se permettre de vivre avec ça, parce qu'ils peuvent vivre quand même, je sais pas moi, 3 ou 4 familles dans le même appartement, manger du spaghetti puis du fromage pendant une semaine de temps avec 20-25 pièces, tu peux en manger de ça dans une semaine. Je sais pas, c'est pas la même mentalité que nous autres. Rentre dans n'importe quelle manufacture, ils se tourneront même pas la tête pour te regarder, excepté s'il y a des Canadiens français. S'il y a quelques Canadiens français, mais là, eux autres vont te parler. Mais les Italiennes, ils ne dérangeront pas du tout pour te parler. Tu vas passer 100 fois par jour à côté d'eux autres, puis tu n'auras même pas la tête pour voir qui ils passent. C'est leur mentalité, habitués comme ça. Moi, je sais pas, mais c'est dur de s'adapter. Parce que je sais pas, mais peut-être avec le temps... Là... Comment sont-ils devenus aliénés?
à côté des habituelles raisons de névrose psychologique, il y a autre chose. Je crois que ce sont les professeurs qui enseignent cette aliénation. Il existe une sorte de culte de l'aliénation parmi les intellectuels à la mode, convaincus qu'eux-mêmes sont infiniment plus intelligents que les hommes politiques, les hommes d'affaires et les généraux, ils ont le sentiment qu'existe un univers affreux qu'eux-mêmes devraient être appelés à gouverner. Il n'y a pas de fureur comparable à celle des intellectuels dédaignés. Supposons que vous êtes un intellectuel aliéné. Vous êtes professeur de philosophie ou quelque chose du genre. Vous n'avez aucun pouvoir, mais vous pouvez influencer vos étudiants. Vous employez des expressions comme celle-ci, que j'ai cueillie l'autre jour, sur l'élève d'un professeur de San Diego. L'illégitimité de l'autorité contemporaine. Donc, si l'autorité contemporaine est illégitime, vous avez moralement le droit, et en fait, c'est votre devoir de vous opposer à cette force. Nos universités deviennent ainsi des centres de sédition et de destruction. Les événements de ces derniers mois au Québec mettent en relief ces constatations. Ce qui est vrai pour les États-Unis l'est pour le Canada et malheureusement plus vrai encore pour le Québec, où trop d'intellectuels entretiennent en eux un sentiment de frustration qu'ils communiquent à toute une jeunesse qui se cherche. Si vous désirez une copie de l'éditorial, présentez-vous à CGMS, 1700 rue Berry, Montréal. Caramba! C'est moi maintenant qui porte les tickets de Che Guevara! Les pantalons Tickets pour les vrais chefs révolutionnaires. Victoire, mes frères. Vous trouverez les pantalons Tickets chez Marc Beauvais au centre commercial Rockland et aux galeries d'Anjou. Moi, ce que je demande, ce que je souhaite le plus, c'est qu'un jour, je puisse me permettre d'avoir ce que je souhaite avoir. T'sais. Pas me priver sur rien. Je dis pas d'avoir être millionnaire. Non, je souhaite pas ça. Mais avoir un maximum d'argent, une possibilité de dépenser, disons aujourd'hui par exemple, je voudrais avoir, je sais pas, un manteau neuf, je pars, je m'en vais l'acheter. J'aimerais avoir, je sais pas, une maison meublée avec du style espagnol ou quelque chose comme ça, tu sais, un genre à moi, là. Quelque chose que pas tout le monde va avoir. Je sais pas, moi, par exemple, arriver, je me fais faire un stéréo, un dessin que je vais avoir fait, un stéréo que je vais avoir dessiné, je vais en trouver quelqu'un, je lui dis, bien, tu vas me faire ça, je le paye, ça vient de finir. Puis avoir, je sais pas, une auto sport surtout, quelque chose que pas tout le monde aurait. Je sais pas, moi, avec des teintes extraordinaires, des affaires flashées, autrement dit, quelque chose, c'est, je sais pas. Donc, moi, je me verrais, par exemple, avec une auto, je sais pas, le dehors argent, disons, puis le dedans noir, ou je sais pas, une teinte barbare, quelque chose. Make your mind to sleep. I haven't actually heard, Mr. King. Sorry, can't help you there. Did you put those parcels in the car? Yes, sir. Lavar.
On arrive chez nous, on est fatigué, on file pas pour, je sais pas, faire des tas de choses, sortir, sauter, s'amuser, enfin. C'est une opération, c'est un domaine qui vieillit, quoi, la personne n'avait le temps. Parce qu'on réfléchit toujours en travaillant, on pense toujours à quelque chose. Si on s'arrêtait pour penser, par exemple, toujours à la même chose, toujours à notre ouvrage, bien quoi, on pourra pas travailler une semaine. On aurait trop, je sais pas, la tête à l'envers, on pourrait pas continuer comme ça. On sait bien qu'où c'est qu'on n'avance pas, on recule. Mais c'est un phénomène qu'on nous a enseigné par la télévision ou toute autre chose à accepter. C'est un phénomène aussi qu'on sait que nous autres, on produit avec beaucoup moins d'hommes au temps de verge. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on vérifie puis qui est palpable pour nous autres. C'est un phénomène aussi qu'on sait que les gars, dans ce temps-là, ils pouvaient faire 10 heures de production par jour. Aujourd'hui, quand ils ont 8 heures, ils sont contents de sortir de l'entreprise. Et on vient nous dire que c'est pour l'amélioration de l'homme. On dit que ça améliore la situation de l'homme. J'ai de la misère à concilier ça. Est-ce qu'on l'améliore ou est-ce qu'on l'abrutit? J'ai nettement l'impression que des fois, il y a des gars qui sortent plus abrutis qu'ils étaient dans le temps. Parce qu'on y coupe, on est rendu avec des systèmes savants où on dit, tu vas avoir tant de temps personnel, on chicane sur le temps personnel de l'occupation. Le temps personnel, qu'est-ce que c'est? Le temps personnel, on dit ça, c'est le temps où à un moment donné, ça te pique dans l'oreille, tu vas aller te gratter. On compte ça au millième de seconde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme l'homme devient savant. Et dans son développement d'intelligence, on dirait que plus l'homme devient intelligent, plus il rend robot, plus il est rendu moins humain. Qu'est-ce que tu veux? On est dans les cantons de l'Est. Et puis, dans les cantons de l'Est, c'est du textile. Alors, on n'a pas le choix. C'est pour ça, moi, que j'avais pensé un bout de temps, j'en avais discuté avec ma femme. Ça m'a rappelé, moi, l'idée, là, je ne sais pas, m'en aller travailler à Bécomo ou à Sept-Îles, où je sais qu'il y a des gros salaires. Peut-être aussi du travail plus intéressant. Et puis, je me disais à ce moment-là, puis évidemment, je me faisais peut-être accroire des choses, là, mais je pensais surtout pour mes enfants. Je me suis dit,
normalement pour eux, mais qui embarquent sur le marché du travail. Si je reste ici, normalement, comme moi, ils n'auront pas le choix. Ils vont être obligés d'embarquer dans le textile. Si je suis là-bas, il n'y a pas de textile. Alors, c'est la réflexion, mais je ne croirais pas là, que c'est... C'est l'explication, moi, en tout cas, que je me suis donnée. Si tu veux, tu as le choix là, entre prendre ça et puis sur le bien-être social. Ou un gars pourra peut-être, je ne sais pas, s'expatrier, mais et les emplois sont tout de même restreints là-bas aussi. T'as pas d'autre voiture? Je crois que la grève a débuté vers le 10 avril 1947. Gilbert Ayers, à ce moment-là, a engagé Mac Carrière comme son nouveau directeur du personnel, comme réellement organisateur de l'opération pour briser la grève. Madeleine Farah, mon Dieu, qui en voulait donc? Puis, il n'était pas question de dire ça. Des salaires, des affaires de l'Union, là, c'était... Ils s'attaquaient là, aux personnes, puis essayaient, comme moi, de dire que c'était elle qui, tu sais, qui nous entraînait dans... Je disais non, j'espère qu'ils ne nous payent pas. Pourquoi c'est qu'ils ne payent pas? Ben oui, mais vous êtes bien, c'était pas deux autres, vous ne mangeriez pas, tu sais. Juste de faire le fou, je ne peux pas dire autre chose que ça. Et avec Marc Carrière, sont venus dans la chute des policiers provinciaux en grand nombre, environ 250. Et pour une ville de cette grandeur, c'était beaucoup. On était tous ensemble, puis on marchait, puis là, tout d'un coup, ces jubilés-là ont arrivé avec des chars, un lot de police du sortier qu'on ne peut pas. On avait besoin de se bouger. Et puis, là, ils ont sorti avec le matraque, puis ils ont donné le. Frappé le monde, puis ils ont emmené. Il y en a qui ont arrêté, ils ont emmené au poste de police. Puis, là, comme le poste n'était pas grand, il en mettait plusieurs dans le main. Mm-hmm. Hein. Et puis, ça a été dur ce matin-là. J'ai dit, moi, je demandais, j'ai dit, comment ça se fait que vous arrivez? Puis j'ai dit, vous frappez le monde. N'importe. Puis il y avait une femme qui avait été arrêtée. Elle était enceinte, puis elle a porté son bébé. Elle était avec 5-6 hommes dans la même cellule, peut-être plus. Moi, je dis 5-6, je n'étais pas dans la cellule. Mais je sais qu'il y était plusieurs dans la même cellule, puis tout d'un coup, madame, les hémorragies ont commencé. Et puis, il dit, d'autres, ben, écoute, on a les ordres. C'est les ordres. Puis moi, je voulais bien, je disais, les ordres, mais si vous donnez l'ordre d'arriver et dire, ben tirez, là, dans un... On a les ordres. Tu sais, il me disait ça, puis ça m'avait donné, ça m'a resté dans l'idée, cette affaire-là. Puis je comprenais pas, moi, que... Parce que quand on pense à ben des affaires, moi, je me dis, la police, on doit avoir confiance à ça. Puis eux autres qui arrivaient, quand on fait rien, puis qu'on se fait attaquer, comme eux autres, là, pour nous autres, là, les voir arrêter, pareil, comme s'ils avaient fait... Ça avait été des assassins. Pour... Je me rappelle, moi, j'étais jeune, puis... Je pense que j'aurais pas été devant le monde, j'aurais broyé. Ça me faisait assez peine de voir ça. L'organisation syndicale comme telle était un acte de sédition contre cette gracieuse famille des Ayers qui, semblait-il, était née pour diriger la ville de la chute. Et alors, on a essayé de faire de l'organisation syndicale
une sédition. Ben oui, mais disons, vous avez fait une grève pas légale. Ben moi, je disais. Je lui disais, oh, êtes-vous légale, vous autres, dans ce que vous faites? Dans, je trouvais que c'était pas fin, les autres, de frapper le monde. Et puis. Je me disais, c'est, mais moi, c'est le mot communiste qu'ils ont toujours pris pour nous différencier des autres. J'ai jamais aimé ça. Ben ça. Je me demande pourquoi. Puis. On s'est assez. Surtout eux autres, ils étaient attaqués. Moi, franchement, je pensais, moi, qu'un communiste, c'était une histoire de religion. Hein. Tu sais, vraiment, des salaires au moins d'être catholique. C'était peut-être fou. Mais quand je comprenais pas pourquoi ce que c'est qui associait tant ce mot-là à l'histoire de l'Union puis à vouloir avoir des salaires. On était présents, là. On était hein, tout ensemble. Là. Puis que la police arrivait sur nous autres, là, que les bâtons frappaient, arrêtaient le monde. Puis ils arrivaient en cours, puis ils attendaient ce qu'ils se disaient, là. On savait là, que c'était rien que de la blague. C'était Noël Dorion qui était procureur de la couronne, qui agissait directement sous les ordres de Maurice Duplessis, qui téléphonait à tous les jours à Saint-Jérôme pour savoir comment le procès allait. Tout ce qui s'est pu s'est dit dans les journaux, là, puis ce qui s'est dit au procès, là, qui était là. C'est effrayant, toutes les menteries qui puissent être dites, là. C'est pas croyable. C'est assez pour devenir menteur, après ça, quand on attend ça, puis qu'on voit qu'ils sont crus, eux autres, puis qu'on ne l'est pas. Puis quand je voyais un juge refuser un cautionnement à quelqu'un, puis après ça, puis on les voit partir, là, puis qu'on sait devant nous autres qui a dit non, là. Vous savez, madame, que probablement ce que je veux dire. Vous vous promeniez dans la cour, là, puis on était là, là, puis il avait demandé un cautionnement à l'avocat, puis que vous sortiez, je sais pas. Et puis, d'accord, on a vu Madeleine partir. Ben, elle n'avait pas le droit de nous parler. Ça m'a été pris. C'était un enchaînement assez drôle. On n'a plus jamais confiance à la loi, ça. Ils nous tiennent. Quand on voit qu'ils protègent les groupes, les menteurs, puis les. On est, après ça, on est. Révolte, rébellion, sédition, communisme, anarchisme. Enfin, tout, on essayait de produire devant le public tous les démons populaires pour essayer de dire que c'était ça, l'organisation des travailleurs à la chute. Et à la fin, j'ai été condamnée à 2 ans de prison. Vous savez, quand on sait, comme nous autres, Duplessis, on ne l'avait pas dans le cœur parce que se faire bâtonner par ces gars... On... Mais quand vous voyez ça, c'est au monde-là, en moyen, là, puis que quand sa mère, là, qu'il lui, il canonise pas, puis c'est juste. Puis qu'on connaît un petit brin, je lui dis qu'on se dit, moi, je suis certain, vous allez au ciel tout de suite. Subséquemment, la cour d'appel a cassé le jugement et a ordonné un nouveau procès. Seulement, Duplessis a décidé de faire remettre d'année en année un nouveau procès. Pendant 7 ans. Et finalement, en 1954, nous avons été déclarés non coupables par le juge et ça finit l'affaire. Mais le public ne l'a à peu près jamais su parce que le procès lui-même avait fait la manchette des journaux pendant des semaines et des semaines en 47 et 48. Dès le départ, quand on parle du problème textile, je crois qu'il faut quand même voir les secteurs différemment. Il y a les grands secteurs, le secteur du coton, il y a les fibres synthétiques, la bonneterie, le tapis. Ces choses-là ne se comparent pas.
industry in this country, I believe, and as a matter of fact, I'll go farther and I say I know, is by and large just as modern and just as up-to-date as any textile industry in the world. Our technology is up-to-date. Our machinery is up-to-date. Our methods are up-to-date. And I don't offer any apologies at all to the textile industry in the industrial world, in Canada or any place else. Il faut dire qu'au départ, si les textiles ont pu s'établir au Québec, c'est parce que, autour de 1870, le nouveau gouvernement canadien a adopté une politique nationale, c'est-à-dire une politique protectionniste. Et derrière ce mur-là, des industries sont venues s'établir. Des industries qui ne pouvaient pas faire concurrence tellement sans tarifs douaniers aux manufactures des autres pays. En autre mot, c'est une espèce d'industrie artificielle. Que les textiles, comme d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup d'industries canadiennes. On peut dire que l'économie manufacturière du Canada, dans une large mesure, est une industrie artificielle, comme la chaussure, bien des secteurs de l'industrie mécanique, de l'industrie électronique, et le reste. Pas parce qu'on ne pourrait pas produire, nous, des produits électroniques ou des produits mécaniques, des voitures, par exemple, mais parce que la façon dont on s'est organisé pour les produire, ça nous place dans une situation de dépendance. On produit de tout. Dans bien des secteurs, on produit tout un éventail de produits. Et aucun de ces produits-là est fabriqué en assez grande quantité pour qu'on atteigne les seuils de rentabilité qui sont admis, disons, sur la scène internationale. La Beacon Manufacturing fait partie d'un empire industriel, ce qu'on appelle une corporation multinationale, mais en fait, c'est presque toujours des corporations américaines. Et cette corporation américaine s'appelle National Distillers and Chemical Corporation. Ses revenus bruts, c'est-à-dire en gros son chiffre d'affaires, en 1969, s'est élevé à un peu moins d'un milliard de dollars. Ils produisent du bourbon, qui est un alcool très populaire dans le sud des États-Unis, du gin, Gilbey's. Puis ils importent aussi des alcools. Ils importent le Vat 69, qui est un scotch, je pense, qui est assez populaire ici. L'aquavit scandinave, tequila, le rhum, etc. Mais évidemment, l'alcool, ça fait partie un peu des industries chimiques. Alors, la National Distillers s'est engagée également dans le secteur chimique. Pour produire du polyéthylène, des résines, de l'alcool, des plastiques, des acides phosphoriques, sulfuriques, etc. La National Distillers s'est également engagée dans le secteur des produits métalliques, pour produire des produits de cuivre, d'étain. Mais le complexe est également propriétaire de subsidiaires. Par exemple, si on regarde ici les produits chimiques, vous avez des usines qui se trouvent à Hong Kong, qui se trouve en Orient, à Formose, une usine, USI, en Europe, Evernight Plastic aux États-Unis, Polymer Dispersion, AB Chemical Corporation. Dans le domaine des produits métalliques aussi, vous trouvez toute une série là, de compagnies subsidiaires, Aristocrat, Bridgeport Brass Canada Limited, Bridgeport Argentina. Et ça nous donne une bonne idée là, vraiment de la dimension internationale de cette entreprise-là. La National Distillers, tu me diras que les distilleries, c'est pas mal loin de l'assurance, mais la National Distillers est quand même dans le secteur de l'assurance. Elle est propriétaire d'une compagnie d'assurance. Et ces grandes compagnies-là, pourquoi est-ce qu'ils achètent des compagnies d'assurance? Parce que une compagnie d'assurance a un gros cash flow. Il y a beaucoup d'argent qui rentre dans une compagnie d'assurance et ça permet au complexe de financer ses investissements plus facilement, sans avoir à emprunter. Il y a une troisième série de compagnies qui font partie de cet empire-là et ce sont les compagnies affiliées. Alors, dans le domaine des produits chimiques, par exemple, on trouve la Panhandle Eastern Pipelines Company, qui fabrique de l'hélium pour le gouvernement américain, la National Petrochemicals Corporation, qui fabrique du polyéthylène linéaire.
vous avez dans le domaine des produits métalliques Reactine Metals, qui fabrique du titanium et des sous-produits du titanium, un métal qui est utilisé pour fabriquer des aciers spéciaux. Indico Argentina, encore on se trouve en Argentine, une compagnie affiliée. Et finalement, au fond du panier, si je puis dire, on trouve Beacon Manufacturing, une entreprise qui est dans le secteur des textiles et qui possède des filatures au Nicaragua, à Smith Falls, en Ontario, et à Grande Bay, Québec. Cette entreprise que l'on trouve à Grande Bay, c'est évidemment Esmond Mills, et un des gareurs de métier de la Esmond Mills, c'est Bertrand Saint-Onge. C'est extraordinaire, ce gareur de métier-là, pas d'importance dans tout ça. Il faudrait peut-être préciser aussi que l'Esmond Mills n'est pas la propriété exclusive de National Distillers, mais est partagé à 50% avec Dominion Textile, dont évidemment le président est M. King. Et les propriétaires de la National Distillers ont tout intérêt à diluer le plus possible leur capital. Ça veut dire ça que, disons, avec, mettons, 1 milliard de capitaux, ce qui n'est pas extraordinaire, ils peuvent arriver à contrôler quelque chose comme peut-être 50 milliards d'installations productives. Et au Canada, on est pogné dans ce genre de structure-là jusqu'au cou, puisque plus de la moitié des entreprises canadiennes font partie de ces grands complexes internationaux, de ces corporations multinationales qui, je le répète, 9 fois sur 10, sont des corporations américaines, des compagnies américaines. Après ça, en 1952, la compagnie nous a fait un ultimatum, c'était sur l'augmentation des cadences. Le speed-up, comme nos gens disent, et ça revenait à doubler les charges. Et on a négocié pendant presque un an de temps, puis il n'y avait pas moyen du tout. C'était son système, son nouveau système à la pièce, un nouveau système des cadences, puis il n'y avait aucune solution. Quand vous avez du chronométrage du travail, il y a toujours, disons, l'espèce de... pas tout à fait un marchandage, mais en fait, le fait qu'il y a un chronométreur qui passe puis qu'il il prend pour acquis à peu près que la personne va freiner quand elle se fait chronométrer. Alors, il va chronométrer plus haut. Alors, disons que c'est fixé à un taux X. La personne, comme le salaire de base est très bas, va essayer de faire plus. Alors, au bout de 6 mois, ils vont augmenter les cadences en disant, vous faites, par exemple, du 120%. Alors, ça veut dire que vous êtes capable de le faire en temps normal. Alors, ils augmentent les cadences, puis tout ça. Alors, c'est vraiment une espèce de... Je veux dire, c'est assez infernal comme système, finalement. Et à la fin du compte, il a fallu faire la grève. On avait tous les journaux, on avait les marchands, tout était contre nous autres. On avait tout contre nous autres. Puis les Américains, n'oublie pas les Américains, Paul. Mon Dieu, notre réputation. Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui de voir revendiquer tous les gens hein, dans les cégeps et dans les choses? Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Mais c'était une petite bagatelle ce qu'on a fait, nous autres, au prix de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on faisait, nous autres. Il n'y a pas à dire, on passait pour des... pour des communistes. Hein? On passait pour des communistes. Comment est-ce qu'on nous criait, comment on nous disait, les communistes? Parce qu'on montait un peu de... Tu sais, on était un peu solide, tu sais. On était un peu rigide. Mais c'était rien au côté de ce qui se fait aujourd'hui. C'était de la petite bière au côté de ce qui se fait aujourd'hui. Ce qu'il dirait aujourd'hui, dans ce temps-là, ce qu'il voyait ce qui se passe aujourd'hui. Il dirait, les gens, c'est plus que des communistes, c'est... Ah, je dirais, on est en Russie directement. Je sais bien, moi, dans ma paroisse, on organisait des groupes de filles, en partie des filles, des femmes. Alors, on les organisait sur les paliers d'église, et puis après ça, on partait en avant avec eux autres. Allez travailler, mes enfants, le bon Dieu vous accompagne. C'était pas aimable pour nous autres. Ils faisaient le piquetage, et tout. Aller travailler, mais c'est en partie des filles, mais tout de même. C'est des gens qui s'en allaient, ils y allaient. Et à l'issue de cette grève-là, les chefs américains, avec Roger Provost,
ont signé la convention collective contre la volonté des membres eux-mêmes. Et la grève a été brisée. Et là, nous avons été délogés. Et c'est ainsi que l'Union internationale est devenue syndicat de boutique. Vers les 7 heures, là, ben, il a commencé, là, les gens ont commencé à arriver. Hein. Alors ça s'est groupé, ça s'assembla, ça s'assembla. Là, on a vu déboucher la police provinciale. Ils sont arrivés, puis moi ils m'ont agrafé, puis mon pitch en chemin, ils sont mis deux, puis Mme Duranceau, pas Mme Duranceau. Mme Duranceau a pris une barre, elle aussi. Puis là, les gens en dedans, les gardes-barrières, les autres sont arrivés, puis ils ont ouvert là, les grandes barrières. Puis là, ils ont même appelé les gens. Venez-vous-en travailler. Ça bougeait pas. Ça rentrait pas. Il y en avait là. Ben, toutes les gens de. Mais vu qu'on s'est laissé faire, on s'est pas défendu. Les gens n'ont pas voulu avancer, mais s'il y avait eu plus de pagaille que ça, je pense que la bataille aurait pris entre la police provinciale et la police. Parce que déjà, on entendait murmurer, on entendait des tas de cochons, entre des cœurs. Tu sais, la foule commençait à mordre pas mal. Oui. Mais ça n'avançait pas. Ça restait tout là. Oui, c'était le roi après ça. Et Denis Arcan. C-A-N? A-R-C-A-N-D. D? A-R-C-A-N-D, oui. Travailler? Je travaille pour l'Office national du film. Dans quel but vous filmez? On fait un film sur le textile. Est-ce que vous avez demandé la permission des proposés, des premiers? Les autorités de la mine textile? Non, on n'a pas demandé. Pas dans ce cas-ci, non. Peut-être que ça a évité. Parce que c'est eux autres mêmes qui nous ont appelés pour savoir le but de cette entreprise. Ah, la compagnie vient de vous appeler? Vous vous demandez ce qu'on faisait ici. Justement. Vous avez firmé sur l'autre partie aussi, hein, de la bâtisse. Oui. Sur l'autre côté. Oui, on a justement, filmé là-bas. Justement, ici, il y a des gardes, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de leur lien présentement. Ah bon? Ils ont peut-être dû avoir une entrevue avec eux autres et expliquer votre cas. Oui. Ils n'aiment pas ça qu'on filme, c'est ça? Non, mais ils veulent savoir le pourquoi, la faute. Ah bon, d'accord. Disons, tout simplement, ils voient des gens qui se promènent un peu plus de l'autre côté. Ils veulent savoir pourquoi. Est-ce qu'ils sont inquiets? Non, juste, disons, c'est leur droit. Ils en sont les propriétaires. Ça t'a dit ça. Avez-vous des enregistrements du station wagon? Ah oui, on vous donne Si on avait donc pu passer l'autre. Si on avait donc pu. Mais avec les Américains, Paul, il n'y avait pas moyen. Mais malgré tout, malgré tout ce qu'on a eu contre nous autres. Hein. Oh, si c'était dans les temps d'aujourd'hui, hein, on aurait dû rentrer, puis on aurait dû rentrer fort. Mais dans le temps, tout était contre nous autres, pendant malgré tout, on a bien fait. Oh, ça n'a pas manqué grand-chose. Ça n'a pas manqué grand-chose qu'on passe. Moi, je me rappelle qu'avant 60, l'homme à abattre, c'était Duplessis. C'était Duplessis, first of all. Il avait inauguré le pont d'Anglois. Il était invité, on s'y en va, avec tous les autres. Et puis, il avait épinglé l'ordre du commandeur, il avait fait venir son drame. Il avait épinglé ça après lui. Il avait dit, vous êtes le plus grand premier ministre. Parce qu'il avait donné son nom pour mon Henri. C'était le nom de Monseigneur Henri. Vous êtes le plus grand premier ministre qui a jamais passé dans le Québec.
Je l'avais trouvé ketchup, celle-là. Pourquoi? Je l'avais trouvé ketchup, celle-là. Notre plus grand premier ministre qui a passé dans le Québec. Well, you have to go way back into history. I think there was a lot of mistakes made, and maybe on both parts. And I don't know. You know, it's old stuff, but it doesn't do very much good to rake it up. I think we need the people who are members of unions, and the unions need us. I don't think either of us can go our separate ways. I'm not saying that they need us more than we need them, or vice versa, but there's a common community here. There's a common need. And I think we just have to find ways and means of getting along. Look, labor is necessary. The unions are here to stay. We hope we're here to stay. We've got to live together. We've got to learn how to live together. And it takes a little bit of doing, eh? There's got to be some give and take. On a dit que la plupart des gars qui étaient membres du FLQ, c'était en partie des fils de bourgeois. Des gars, comme me disent dans l'usine, des gars qui sont tannés d'être bains. Moi, c'est pas mon cas, parce que mon père, mon père est ouvrier dans une usine de peinture. Ben, mon père est cultivateur, puis il a tout le temps tiré le gars par la queue, puis tire encore, puis il va mourir de la même façon. Si tu veux faire, il n'a pas tellement changé, il est rendu à 60 ans. La société te dit, t'as le droit de parler, t'as le droit de t'exprimer, tu sais. Alors, tu fais des manifestations, tu fais des grèves, tu sais. Puis, ils te laissent t'exprimer, mais en autant que, tu sais, je veux dire, ça rentre dans leurs limites, que ça fait leur affaire. Puis, quand ça fait plus leur affaire, tu sais, ou bien ça arrive comme dans les universités puis les cégeps, bien, qui jettent des professeurs dehors, qui jettent des étudiants dehors, tu sais. Ou bien ça arrive comme dans les grèves, bien, ils laissent éterniser les grèves, ou bien ils font venir la PP. T'arrives à un moment donné où il faut nécessairement que des gestes violents soient posés pour que le plus grand nombre de personnes réalisent un certain nombre de revendications qu'il y a à faire et puis réalisent également que à partir d'un point limite, on n'a pas tellement le choix. On est poussé à donner des coups de pied au derrière de bien du monde puis à placer des pétards à des places. S'ils revendiquent quelque chose, c'est parce qu'ils sont certains. Ils voient une possibilité de l'atteindre, ce qu'ils veulent avoir. Dans notre temps, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça, cette liberté-là. On n'a pas connu ça. Alors, les bombes du FLQ, s'il n'y avait pas été là, s'il n'y en avait pas eu, où est-ce qu'on serait, je ne sais pas. Mais moi, je pense que ça a contribué d'une façon positive à l'évolution en général du milieu. On va pas. Et puis, ben, on est un petit peu fataliste, alors. On s'arrangeait à ce qu'on avait. Il y avait des choses qu'on disait, ben, à quoi bon? À quoi bon? On va commencer. Alors, à quoi bon? On se contente à ce qu'on avait. Mais, n'empêche qu'on avait des sursauts. Quand ils sont arrivés, eux autres, alors, on voyait une possibilité, là, voyez-vous? La libération du Québec, ça veut pas seulement dire l'indépendance politique. Ça veut aussi dire être maître chez nous, là, mais dans le sens qu'on possède nos usines puis qu'on s'organise nous autres-mêmes, les Québécois, ensemble. Puis à ce moment-là, ça devenait un mouvement anticapitaliste, avec une idéologie anticapitaliste. C'est dans ce sens-là que le groupe s'adressait, dans ses actions, là, au conflit ouvrier. À toi, à la place de l'ouvrier, là, qui gagne 60 piastres par semaine. Et qu'à un moment donné, il arrive un gars au nom de la libération du Québec, qui vient faire sauter à baraque où ce que c'est que ces machines vont sauter avec. C'est son 60 piastres par semaine qui vient de sauter. Puis là, il en demande 65.
Il est dehors pour obtenir 65$ par semaine. Lui, la libération du Québec, ça doit jouer ailleurs qu'au coût de sa job. C'est ça que ça veut dire. Pour le gars, là. Le fait qu'il s'est passé à Saint-Anne. Qu'on fasse sauter les boîtes à mal. Tu sais, là, ça touche à... Tu sais, c'est trop comme quand la révolution se fait ailleurs. If people haven't got work, well, what have they got to lose? And I know there's an emotional side to this whole problem, too, but, you know, when it gets back, it always gets back to eating. eating is a very important fact of life, and you have to have a job. The government, if nobody's working, the government can't afford to support everybody. I mean, there's got to be a few fellas working to support all those who are not working. J'avais faim, c'est lui qui m'a donné à manger. J'avais soif, c'est lui qui m'a donné à boire. Tu sais, on a entretenu ça, tu sais. Mais... C'est encore reconnaissant au patron parce que c'est lui qui crée des emplois. Ouais, c'est ça. La violence, pour moi, idéalement, elle devrait être l'expression de ce que les gens vivent, tu sais. S'il y a 2 millions de travailleurs au Québec, puis qu'à un moment donné, il y avait de la violence, il faudrait que les 2 millions de travailleurs de Québécois, tu sais, l'appuient, cette violence-là, la fassent, parce qu'ils veulent changer quelque chose, ils veulent faire quelque chose de différent. Tu sais. Mais c'est complexe, ces affaires-là, tu sais, parce que pour arriver à ce que les 2 millions de personnes l'acceptent, la violence, il faut peut-être qu'il y en ait 10 qui la commencent. Tu sais. Puis quand les 10 la commencent, bien, les autres sont peut-être cool. Compte au début, tu sais, puis ça évolue comme ça, tu sais. J'ai assez peu confiance que le monde se tienne, là. Je comprends qu'il y en a qui tiennent pas parce qu'ils ont peur, là. Il y a toujours une certaine crainte. Puis ceux qui ont leur maison, qui sont venus à bout de peine et de misère, ben, avec un petit héritage d'avoir une maison pas chère, de, on prend mes parents, un exemple. Avec un petit héritage, et puis un petit, ça, sont venus à bout de se gagner une maison, qui ont payé 2 500, qui ont fait bien du réparage, mais... vous savez, ils ont été assez pris, on dirait, par pas des gros salaires, puis pas de... Oh, c'est pas mal dur de vous expliquer. Après avoir tout fait, là, tout donné ce qu'on voulait, puis le gouvernement, la compagnie, puis même le clergé, qui était pas trop trop pour nous autres, puis tout le temps, ce qu'il disait, c'était qu'on était que c'était du communisme, que c'est ça qu'ils nous mettent, que là, on dirait qu'il ne faut pas être communiste, mais il y a bien ça, il y a mieux manger que ce qu'ils mangent à l'année longue. Il y a un pays qu'on observe, là, puis que j'espère qu'il va continuer sa bonne voie, c'est la Cuba. On espère, malgré toutes les embargos, les nuisances, que le système de l'or va leur mettre dans les jambes, on espère qu'il va passer au travers. Moi, je sais bien, moi, je souhaite ça de tout mon cœur qu'il passe au travers de toutes les réticences que la pièce va essayer d'y mettre pour y nuire. Parce qu'au moins, on aura un exemple qui aura peut-être servi. On se rend compte que les jeunes employés avaient facilement une 8e, une 9e, il y en avait même certains qui avaient une 10e et une 11e année. Mais dès que l'on dépassait 40 ou 45 ans, en général, les employés n'avaient pas plus d'une 2e ou d'une 3e année. Alors donc, une main-d'œuvre avec un degré de scolarité très bas. Évidemment, ce bas degré de scolarité rend cette main-d'œuvre-là captive. C'est une main-d'œuvre que l'on peut difficilement replacer ailleurs. C'est une main-d'œuvre qui se réadapte difficilement. De toute façon, s'ils sont âgés, on ne peut à peu près pas espérer les recycler. Ils ont travaillé dans le textile toute leur vie. Très souvent, ils y sont entrés très jeunes, à l'âge de 15 ou 16 ans. Ils ne connaissent pas autre chose. La compagnie, c'est leur univers. Le textile, c'est leur univers. Et ils ne voient pas tellement bien eux-mêmes comment ils pourraient se replacer ailleurs. Bien, mon mari a une ferme. Juste ici, à côté de la manufacture. Ça fait que c'est difficile de partir s'en aller ailleurs. Après ça, j'ai 3 enfants qui vont à l'école. Avant longtemps, mais ils vont aller au secondaire. C'est un autre problème. J'ai un qui est infirme. C'est encore des affaires, ça.
Je vais attendre la dernière moi aussi pour voir qu'est-ce que c'est que qu'ils vont survenir. Je vais écrire un peu sur le comité de recyclage. Moi, je suis obligée de travailler moi aussi, ça fait que je vais me fier un peu plus sur eux autres. C'est assez dur quitter la place comme ça. On s'en allait ailleurs, on va y penser tout de suite, hein, notre chez nous. As-tu été filmé dans l'Ontario? Non. Mais tu vois, je comprends comme dans l'Ontario, quand même, mes cousins, moi, qui travaillaient là. Hein? Ils parlaient pas l'anglais. Ils comprenaient, par exemple, mais ils parlaient pas. Dès deux fois, mon boy, j'étais obligé de s'en venir. J'étais toujours sur son dos. Ça tient pas de bout. Aller à Brantford, Ontario, tout près de 600 000 ici, ça tient pas de bout. T'es arrivé là seul, c'est-à-dire avec notre famille, mais. Même, pas personne qui en connaît. Arrive, toi, là-bas, amène ton ménage là-bas, là. Hein? Disons que tu travailles un an, disons. Ils ont du bras pour un an. Après ça, c'est là que tu vas aller. Faut que tu y penses à ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui a un gars qui est installé un peu, il vient de rester à la même place. Et puis le salaire du textile en Ontario, pas mal qu'il est plus bas par ici. Il est plus bas qu'ici. C'est pas encourageant d'aller là. Puis ici, à Quatico, bon, non seulement que les écoles, qu'on peut aller travailler. Ça fait que les usines, il n'y en a pas tellement. On ira à l'école, ils nous payent. Mm-hmm. Oh, moi, d'abord qu'ils trouveront un job pour mon mari, ça ne m'intéresse pas de continuer à travailler. Je travaille dans l'eau à journée. Ça va me passer, c'est brûlé à grandeur. Ça fait du caustique. Je veux dire, ils sont pas assez bonnes. Ils font partie, puis... Ça fait deux fois, dans pas grand temps. Mais... Il y en a bien qui disent qu'il est payé pour ce qu'il fait, mais il ne voudra pas le faire, sa job. Hein. Ouais. Moi, en tout cas, d'abord qu'il se trouvera une bonne job, là. 70 opératrices de machines à coudre chez Walter Manufacturing, à Richemont. 20 opératrices de machines à coudre chez Jack Spratt Limité à Windsor Mills. 30 opératrices de machines à coudre chez Charles Sportswear à Drummondville. 2 contre-maîtresses à la même place. 40 opératrices de machines à coudre chez Waterloo aux Rives. 3 ouvertures chez Kilgore à Quatico. 3 ouvertures chez Shear à Quatico. 15 opératrices de machines à coudre Quatico Couture. 25 hommes au moulin à 6 Quatico. Mm-hmm. On avait 3 tricoteurs chez Gainer. 20 couturières chez Kaufman Footwear. Puis 5 couturières à Saint-Edouard de Couture. Alors, la situation est belle. Ça, c'est l'inventaire des ouvertures qu'on a eu à faire. Alors, il y a donc 302 places de disponibles à ces différents endroits. C'est ce que ça veut dire? Oui, immédiatement. Est-ce que vous vous êtes informé des salaires? Disons que les salaires, on n'a pas trop pris d'informations là-dessus. Justement, pour permettre aux gens d'aller se rendre compte eux autres mêmes sur place, puis que les motiver à commencer à bouger. On avait offert les ouvertures et les salaires, c'était eux autres d'aller se rendre compte sur place. Disons que. Oui, mais. Dans la majorité des cas, les salaires sont désavantagés. Parce que je veux bien qu'ils aillent se rendre compte sur place, mais si ils doivent se déplacer pour se rendre compte que c'est un salaire de 35 $ pour une période de 3 mois, ça ne vaut peut-être pas la peine. J'ai l'intention de me lancer en électronique. C'est un domaine que j'ai toujours aimé. J'ai déjà appris un cours de radio. Je pense bien qu'avec l'aide du comité, j'ai espoir de travailler dans ce domaine-là. On attend pour le comité, ça dépendra des positions qu'ils vont nous être faire. Et en cas de protection, on va commencer à regarder pour avoir des visions. Si vraiment on a déjà rien que du bon ça apparaît ici. J'ai un de mes amis qui, moi, ça fait 2 mois qu'il est rendu aux États-Unis. Il est allé chercher une augmentation de salaire d'une pièce, 1 pièce et 1/4 $, je crois. À l'intérieur du même métier, pas l'autre fait que ça, il était titrant. Et actuellement, son objectif, là, il attend la réponse d'un contracteur en construction posé du Chiproc, où il va gagner 9 $. Mais à Manchester, ils ont des bonnes chances. Prends un Canadien français, on va être en bas à Manchester. Un Américain n'ira pas ailleurs, ils vont prendre le Canadien. Le Canadien, c'est un bonhomme. C'est ça qui arrive là-bas. Mes cousins sont là, ils me l'ont dit. Ils ont dit, si tu veux un job, viens, puis dis, je vais t'emmener dans la manufacture, et des souliers ou des vêtements, puis je vais t'avoir un job droit de même. Puis un Américain va venir, puis ils ne voudront pas. Moi, ma famille est à Toronto. Et puis mon mari, il travaille à l'automobile.
pourra se placer assez facilement, je... là-bas. Nous autres, on aimerait mieux s'en aller là qu'essayer de se replacer ici. Parce qu'ici, à Quaticook, il y a à peu près rien. Moi, je n'accepte pas comme représentant syndical, plus que ça, comme citoyen, que la compagnie remette toutes ses responsabilités à un comité de reclassement. Ça, j'accepte pas ça. Puis, ça fait tellement longtemps que Penman est ici à Quaticook. Pendant toutes ces années-là, la compagnie Penman a sûrement fait des bonnes affaires, parce que vous auriez fermé vos portes bien avant ça. Alors moi, je suis tenté de vous dire que vous avez retiré le meilleur de tout ça et qu'au moment où ça commence à aller mal, vous décidez de fermer vos portes. Non, parce que me semble qu'un employé qui a donné toute sa vie pour une compagnie, après tant d'années de service, me semble qu'il aurait pu au moins lui donner une paye de compensation pour montrer au moins le peu de reconnaissance qu'ils ont envers cet employé-là. Surtout de l'argent qu'ils ont fait avec les autres. Oui, justement. D'accord, on a travaillé, on a eu un salaire pour notre ouvrage, mais si on n'avait pas été là, la compagnie n'aurait pas fait, n'aurait pas sorti qu'est-ce qui sortait. Alors, un employé qui a donné 10, 15, 25 ans de service, il a certainement le droit à quelque chose, une compensation pour le service donné à la compagnie. Alors, on va le maintenir jusqu'au bout. Ça donnera ce que ça voudra, mais on va le maintenir jusqu'au bout. Donc, la compagnie juge que le comité de recyclage a été formé dans le but principal de placement à nos employés. La compagnie juge aussi que la question de paye de séparation ne devrait pas être discuté lors des assemblées du comité de recyclage. La compagnie ne prévoit pas de paye de séparation. Ça m'apparaît même aberrant, sur le plan de la logique, d'affirmer une telle chose. La compagnie volontairement participe au comité de reclassement, mais le comité de reclassement est financé majoritairement et largement majoritairement par nos deux gouvernements, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, qui assument, dans une proportion de 75%, les frais qui découlent des problèmes qui sont causés aux travailleurs par la décision prise unilatéralement par une compagnie de fermer ses portes. Donc, il n'est que juste et normal que la compagnie participe financièrement aux travaux du comité de reclassement, ce qui ne la dégage nullement de ses obligations morales à l'égard des personnes qui ont travaillé pour elle une grande partie de leur vie. Qu'est-ce que la compagnie est prête à faire ou qu'est-ce qu'il ne ferait pas? On ne sait pas. On n'est pas mandaté de discuter le sujet de paix de séparation, point final. Bien, moi, je dis qu'on parle de séparatistes depuis une secousse, puis d'après mon idée, je pense qu'il y aurait beaucoup d'idées d'anglophones dans ça. C'est pour ça que les manufactures cherchent toutes à s'en aller en Ontario. On a toujours eu un cas de chômage, il n'y a pas eu de séparatisme aussi. C'est peut-être une des causes, en dedans. Ils ont fait assez de chandage, surtout la Chambre de commerce à Montréal. Les entreprises vont s'établir en Ontario pour la simple raison que la technologie de ces entreprises est plus avancée et par conséquent, on n'a pas besoin d'ouvriers spécialisés. Et par conséquent, en s'établissant dans la région de London, Hamilton, Toronto, dans ce triangle, disons, on a une forte quantité de main-d'œuvre féminine d'origine récente au Canada, qui vit encore à l'européenne, c'est-à-dire dans des grandes familles, avec la grand-mère, la tante, etc., de telle sorte que les jeunes femmes sont libres pour aller travailler. Et comme il s'agit d'un travail qui ne demande pas de spécialisation, on trouve très facilement de la main-d'œuvre féminine qui est capable de remplir ces tâches-là. La qualité textile, ou le produit qu'on vend d'autres, là, dans une dizaine d'années, il n'en reste pas tellement au Québec, surtout. La manière que ça va, là, tous les gens s'en vont dans l'Ontario, les manufactures là, de textile, les gros, les head office sont là. Moi, je dis que dans la province de Québec, là, le textile, ça meurt.
Américains, on est quand même parvenu à en replacer un très grand nombre. D'ailleurs, un très grand nombre de femmes aussi. Il y en a plusieurs qui ont accepté d'être transférées à Saint-Hyacinthe. Il y en a plusieurs qui ont accepté d'aller travailler dans d'autres villes. Mais évidemment, il faut dire que c'était toujours dans le domaine textile ou des domaines connexes. Ils ont essayé de trouver d'autres choses dans une autre ligne que le textile ou dans les industries. Puis c'est pas facile. Ça prend beaucoup d'instructions, ça prend l'expérience. Alors, toutes les démarches que j'ai faites ou les demandes d'emploi que j'ai faites, ça n'a pas marché. Alors, en juin, j'ai fait encore un essai d'une semaine sur un marchand de gros pour encore essayer de changer de ligne. J'ai pas aimé ça du tout. Alors, disons que j'ai pris une décision du jour au lendemain de prendre des cours un an à l'Institut du textile pour rester dans la même ligne. Ce que ça va donner au bout d'un an, en fin de compte, je ne sais pas. Je me demande bien ce que c'est qu'on va aller. À part de ça, notre âge, là, c'est assez difficile. C'est justement l'âge qu'on a. Se replacer dans le textile, ben, c'est pas avantageux, mais... Ben, mon mari s'est trouvé une job, oui, puis à Quatico. Il trouve ça pas pire, mais il faut que tu travailles 6 jours par semaine. Une journée de congé par mois. Fait que, comme de raison, il aimait mieux rester à Quatico pour commencer. Il dit, lui, qu'il n'ait plus d'expérience sur la chaufferie, ben là, peut-être qu'il ira ailleurs, mais pour le moment, il est content de ça. Ça va pas payer, en tout cas. Pour nous autres, ça va pas payer. Well, it's a very, very difficult thing for the people to have this happen. We're appreciate it fully. But it's the old story, the greatest good for the greatest number. We can't afford to let Bodycook, for instance, or any other plant, drag us down to the point where the whole Penman's operation is non-profitable. We come back to this question of profit. And look, we have people's money invested in this thing, and we've got to pay them a return. Otherwise, they take their money out. And we're always looking for more money to spend on more things. And if we don't have the support of the investing public, that's the way our system is built. It's too bad. But I feel that unless a pretty realistic attitude is taken, that this sort of thing could spread. And I think this would be very bad. And would be particularly bad at this particular time. La manufacture, c'est une des manufactures les plus importantes au pays. Ça, faut pas l'oublier. Pour la quantité de monde qui travaillait ici, c'est une des plus importantes. On ne fait pas peut-être la chemise de la plus grande qualité, malgré qu'on n'a pas honte du tout de notre des chemises qu'on fait. Une preuve, c'est nous autres. La plupart du temps qu'il habille la police montée. Vous savez que la police montée, c'est très sévère. On est parti de... Quand ça a commencé en 29, c'était 75 employés. Évidemment, comme tout le monde, il y a eu les années de guerre où on a eu beaucoup de contrats de guerre, où on a touché 550 employés. Et puis après la période de réajustement, on a tombé en 350-375. Ça a été notre nombre de personnel durant cette période de temps-là tout le temps. Aller jusqu'à, comme je vous ai dit, au commencement de 60, à la fin de 67, commencement de 68, ça a commencé à décliner. Dû aux importations, définitivement dans notre cas.
Au début de l'année, en 68, notre moyenne de salaire par semaine, c'était de 15 000 $. À la fin de l'année, il était tombé à 5 000 pièces. Mais quand vous prenez des réductions de même, en somme, le salaire des employés dans une ville comme Saint-Hyacinthe, c'est dépensé de tous les semaines. Hein? Alors, ça fait 350 000 pièces dans l'économie de la ville de Saint-Hyacinthe qui n'est pas dépensée d'une semaine. C'est définitif, ça. Moi, me semble, j'ai pas peur. Me semble, c'est que ça va faire un temps, après, peut-être l'année 69 perdue, puis après, en 70, ça peut faire. Je sais pas. C'est maudit. Le problème, c'est le commerce international. Il faut vendre notre blé, il faut vendre notre minerai de fer. Le gouvernement, par exemple, a passé des contrats, je crois, avec du charbon dans l'Ouest. C'est les plus gros contrats qu'ils ont jamais passé avec le Japon. Hein? Puis comme je vous disais tout à l'heure, les produits de textile, c'est tellement l'affaire la plus facile à produire au point de vue de chemise ou de pyjama, que n'importe quelle femme, ils vont lui donner une machine à coudre, elle va être capable de faire ça. Ça prend pas de spécialisation. Alors, c'est pour ça que ces pays-là se sont lancés dans ces produits-là. Regardez le catalogue de Simpson, il y a une maudite belle page, mon gars, tout en couleur, là, une chemise blanche. Quatre chemises blanches en permapresse pour 13 piastres. Je regarde dans le label, là, Made in Hong Kong. Je ne cache pas, c'est marqué Made in Hong Kong. Quatre chemises pour 13 piastres, mon gars, ça fait 3 piastres la chemise. Quand j'ai une boîte de chemise qui a 13 piastres en permapresse, quelque chose, c'est pas pire, c'est moi qui sais. On dit qu'il est une même, il y a une manufacture là-bas. Moi, là, je ne sais pas, c'est pas confirmé. Mais enfin, on l'attendait. Ça se pourrait que ça serait vrai, cette chose-là. Hein? Qu'ils font fabriquer tout là-bas. Parce que là-bas, ils travaillent pour une bolle de riz, mais nous autres, les Canadiens, hein, on se contente pas de ça. Hein? C'est une industrie. Enfin, on a de la fierté. Terriblement du monde dans la province de Québec. Faut la sauver, ça veut sauver. Puis c'est tout des gens du petit peuple, comme on dit. Puis, si ça, ces manufactures-là arrêtent toutes, ben. C'est le chômage pour tous ces gens-là. On s'en fiche des gars de l'Ouest qui vendent du roisseau de blé au million. Ben, c'est tous des gens qui vont passer l'hiver à Guadeloupe, puis au Mexique, puis à Copulico, puis ailleurs. Nous autres, on y va pas, on va à Montréal, puis ça force. Cette année, là, on fait la chemise barrée avec la cravate sans la plus mouchoir. Oui, mais avez-vous lu ça sur le devoir, ce qu'il parlait au sujet du Japon? C'était bon, cet article-là. Il disait, hein, que c'était un peuple indomptable, fanatique, qui eux autres avaient dans leurs idées, là, de reconquérir ce qu'ils avaient perdu. Ils veulent devenir une grande puissance, puis ils ont le moyen. Là. Voilà pourquoi ça ne fait rien de travailler pour rien. Hein? Mr. Beaudry, last week in Quebec, said that 80,000 jobs had to be provided next year. Where are these jobs coming from? They're not all PhDs, these 80,000 people. There's a lot of people who are coming out of high school or who don't even go through high school. They've got to have jobs. What the textile industry can provide a lot of those jobs.
can find these so-called sophisticated industries to replace the textile industry, then we had better do something to maintain the textile industry. Quand vous avez une industrie établie comme le textile, il y a des groupes de pression. Des groupes de pression patronaux et des groupes de pression syndicaux qui sont foncièrement conservateurs. Tant les syndicats que les patrons sont conservateurs, veulent que ça dure. Et là, ces deux groupes qui sont des groupes producteurs, tant les travailleurs que les propriétaires d'usines sont des producteurs, voudraient que le gouvernement taxe les consommateurs pour subventionner les producteurs dans un secteur donné. Et ça, c'est un coût énorme au Canada. C'est un coût, ça représente peut-être un milliard par année, pas seulement dans l'industrie du textile, évidemment, mais dans tous les secteurs manufacturiers. Ce qu'ils réclament habituellement, c'est des subventions déguisées, c'est-à-dire, en gros, la protection douanière. Ça peut être des tarifs, mais ça peut être aussi des accords de contingentement. Un accord de contingentement, c'est une entente qui est conclue, très souvent une entente... Pas tellement officiel entre le gouvernement du Canada, par exemple, et le gouvernement de Singapour, de Hong Kong, en vertu duquel ce gouvernement étranger accepte de ne pas exporter au Canada plus de textiles que, disons, 50 millions par année. Alors, à l'heure actuelle, on en a 20. Non seulement on a des tarifs très élevés sur les produits du textile, mais on a 20 accords de contingentement avec des pays comme ça. Des pays qui ont besoin d'exporter pour vivre. Des pays sous-développés, pour la plupart. On serait beaucoup rassurés si on disait « Demain matin, il n'y a plus une seule sandale japonaise qui entre au Canada, puis plus une seule chaussure italienne. » Et alors là, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait comme phénomène quantité de fabricants qui se lanceraient dans cette fabrication-là et puis qui engloutiraient beaucoup d'argent pour se rendre compte à la fin que vendre ça à 98 sous, ça n'a pas de bon sens. Il faut vendre 2,25 $, puis là, les gens n'achèteraient plus. Enfin, je veux dire, ce genre de choses-là. On se plaint des importations japonaises. On trouve toutes sortes de trucs aujourd'hui pour être capable de faire rentrer dans notre pays des importations différentes. Je me rappelle à un moment donné où on avait levé les embargos sur l'équipement électronique. On nous avait prêché de bailles canadiennes. Puis à un moment donné, on a dit que c'est bien plus payant de buy Japanese. Parce que les lampes japonaises revenaient, je pense, à 30 ou 40 % inférieures au taux quand le gars qui venait réparer vos télévisions. Dans le textile, c'est exactement la même chose. On vous dit, regroupez les entreprises. C'est bon, le regroupement des entreprises. Vous allez voir, ça va stabiliser votre emploi. Mais en même temps, ça stabilisait les gars en chômage aussi, parce que le regroupement des industries, on les stabilisait sur le trottoir. Nos gars, là, en bas, ils pensent à ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un regroupement de plusieurs entreprises, il y a eu aussi une diminution dans le nombre d'employés dans ces secteurs regroupés-là. On est soumis à des fluctuations du marché. Examinons, par exemple, les fluctuations du marché. Les premiers touchés, c'est toujours les crèvefins comme nous autres dans le textile et le vêtement. Avant ça, on a travaillé 8 ans là-bas, dans le bas façonné. Puis dans le bas façonné, ben, cette ligne de production-là, c'est disparu. Bas façonné, là, c'est le bas avec une cime en arrière, une couture. Alors, aujourd'hui, c'est le bas circulaire qu'ils appellent. C'est pas la même machine du tout. Alors, on a voulu se chercher un emploi ailleurs après 8 ans. Tout ça pour nous autres, ça signifie, c'est drôle, et je me fais le porte-parole là, des travailleurs de la base, ça égale une diminution d'emploi. Qu'est-ce qui va arriver pour les autres? Le confrère Lacalle l'a posé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour employer les autres? Est-ce que c'est de les stabiliser sur le trottoir en ligne au centre de main-d'œuvre? Pour les classifier dans pour des occupations qui n'existeront plus, mais qui ont fini d'étudier pour ces classifications-là. On a vu des endroits où c'est arrivé. On a envoyé des gars à l'école pendant 2 ou 3 ans, puis au bout de 3 ans, on a dit, bien, c'est bien de valeur, mais on n'a plus de travail pour toi.
Cette occupation-là, vous avez eu, par exemple, on a fait beaucoup de publicité pour les mécaniciens. Mais c'est rendu qu'aujourd'hui, on met une machine sur notre automobile, puis on nous dit, mon vieux, c'est telle affaire qui fait défaut, on va te changer de tard. Avant, il fallait qu'il passe 2-3 heures, 2-3 mécaniciens, il faisait passer 2-3 spécialistes. Aujourd'hui, vous avez un paquet de mécaniciens qui servent du gaz dans une station de service. Ça n'a pas de bon sens. On parle de rationalisation, puis c'est encore des mots politiciens, ça. C'est Austin politique, là, ils servent de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on sent, nous autres, le travailleur en bas? Qu'est-ce qu'on sent qui se fait? On fait des efforts désespérés, on bouge, on se bute, on bûche à droite puis à gauche, puis on cherche tout le temps. Puis, à la fin de l'année, ben, on dit, écoute, on fait l'inventaire, on dit, on est-tu plus avancé un peu que l'année précédente? On essaye de se convaincre que si, et puis nos députés nous disent, ah oui, ça va pas mal mieux. On est rendu au mois de décembre, puis là, les Japonais, là, ils viennent d'arrêter, là. Ils sont d'accord pour diminuer le quota. Au mois de janvier, mon vieux, ils ont une série de bateaux là, qui se battent pour gagner la canne au pommon d'or. Puis là, mon vieux, là, tu vas voir que ça va rentrer. Ensuite de ça, on dit, les producteurs de l'Ouest, vous regardez les petits livres blancs qui nous envoient des débats des communes, là. On voit que c'est important, le secteur de l'Ouest. Parce que là, il y a beaucoup de blé à produire. C'est d'accord, ils peuvent le produire à un coût inférieur que dans l'ensemble des autres pays, on peut le produire. On a du bon terrain, on a de la bonne huile, tout ça, mais on envoie dans les provinces atlantiques, là, ce qui n'est pas payant. Mais le blé, là, si au Biafra, ça meurt de faim, qu'il donne le blé. Nos enfants, on va dire à l'école, perfectionnez-vous pour mieux produire dans le textile, imaginez-vous. Qu'est-ce qui va arriver? On a la tête un peu comme dans un sac de papier, là, puis on dit, écoutez, faites attention, pas peser trop fort dessus, vous allez vous étouffer. Dans ce temps-là, on a des politiciens qui nous disent, envoyez, messieurs, continuez de bûcher. Formez des comités tripartites qui rencontreront le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial dit, moi, ça enlève pas de moi. Le gouvernement fédéral, il dit, écoutez, c'est complexe, le système économique. Je comprends, moi, je comprends pas grand-chose là-dedans. Mais c'est tellement complexe que nous autres, moi, je sais une chose, par exemple. C'est quand, à un moment donné, mon revenu ou mon TCOMP diminue chaque année, puis que mes enfants augmentent à toutes les 2 ou 3 ans, à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui ne marche plus. On nous demande un effort additionnel, serrez-vous à ceinture sur les dépenses, on va augmenter vos impôts, puis en même temps, on va augmenter le salaire des députés et des politiciens pour que ça mieux nous faire accroire et nous faire croire qu'ils prennent nos intérêts. D'abord, je regrette de n'avoir pu vous recevoir auparavant. Vous aviez demandé une entrevue, c'était en novembre. J'avais répondu en décembre. Malheureusement, vous l'avez vu. La santé a exigé un repos que j'ai dû prendre. Elle semble beaucoup rétablie depuis. Alors, pourquoi j'ai été heureux de nous entendre pour vous rencontrer ce matin? L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous signaler d'abord le nombre impressionnant de travailleurs qui, depuis quelques années, ont perdu leur emploi dans cette industrie. Le chiffre est autour de 4 000 depuis 2 ans pour l'ensemble du Canada, mais je crois bien qu'il y a entre 80 et 90 % de ce 4 000 qui résident au Québec. Si nous poussions plus loin notre examen, et si nous examinions aussi la question du textile secondaire, le vêtement, nous trouverions des chiffres encore très considérables. Quant à nous, nous considérons qu'il y a, bien sûr, une responsabilité de l'industrie, des travailleurs, mais aussi de ceux qui font la politique. Parce que si on continue à nous jouer l'Ouest contre l'Est au Canada, et puis si M. Bennett, votre collègue premier ministre, décide, lui, d'essayer d'ouvrir les portes de l'Asie, et en ouvrant les portes de l'Asie, si ça ferme les usines au Québec, vous comprendrez tout l'intérêt que vous pouvez avoir, que nous pouvons avoir tous ensemble. Maintenant, il y a des points particuliers qui sont de votre compétence et de votre juridiction, en particulier la question du recyclage de la main-d'œuvre. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, la situation est très ambiguë. Personnellement, je suis excessivement peiné
Et je pense que l'ensemble des citoyens aussi peut difficilement comprendre la situation parce que, comme il y a exercice de double juridiction, nous nous trouvons à payer à même nos taxes deux fois pour les mêmes services. Et ça, si ce problème-là n'est pas réglé, on ne viendra pas nous faire croire qu'il y a vraiment une rationalisation des dépenses publiques. Ça n'a pas de sens. Je peux vous dire, Monsieur le Premier ministre, que déjà, des membres de l'industrie textile, et je fais allusion aux plus importants, sont réticents à faire des investissements, non pas parce qu'ils en soi ne croient pas à l'industrie textile, mais parce que précisément ils ne savent pas qu'est-ce qui va se produire demain. And if anybody thinks they can plan us out of this, they just don't know anything about business. So we've got to have some action. If we want to maintain the present employment, if we want to take our proper share of the future employment, something has got to be done now. It won't do 5 years from now. We will not be in a position to compete, reasonably compete, in 5 years from now, if something is not done now. We've all of us got mills. We've got in Magog, we should spend $6 million in Magog over the next year to convert some of the facilities to make the new product. Very hard decision. When I know that the government in Ottawa, I believe that the government in Ottawa is getting farther away from doing something for us. Sortez le textile de Granby. Sortez le textile de Magog. Sortez le textile de Sherbrooke. Sortez le textile de Saint-Hyacinthe. Sortez le textile de Montmorency. Sortez le textile de Valleyfield. Le textile a sorti de Cornwall. Et vous pouvez vérifier sur place que ce que ça a provoqué. On ne peut pas constituer indéfiniment des comités de reclassement parce que indéfiniment des compagnies ferment leurs portes, parce que indéfiniment d'autres compagnies ne viennent pas s'installer au Québec. Alors finalement, on se retrouve devant une situation absurde. Je dois vous dire qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, j'ai eu à deux reprises, j'ai été en contact avec le gouvernement fédéral. À une occasion plus particulièrement, j'ai rencontré le ministre Pepin. Et je ne dois vous dire que je ne suis totalement en désaccord avec lui sur le sujet du textile. J'ai fait tout mon possible pour représenter M. King et les autres, et les syndicats au sujet de ce commerce. Et je dois vous dire que nous devons avoir d'autres réunions sous peu. Je suis au courant qu'on veut faire de nouveaux accords avec d'autres pays et je me suis opposé énergiquement. Il n'y a pas de semaine à ce que j'appelle pas à Ottawa pour avoir une entrevue avec eux au sujet du textile parce que je crois que c'est un problème qui prend de l'ampleur et que nous devons régler, nous devons élever, nous élever énergiquement contre la politique fédérale. M. Aubin, d'autant plus que, non pas pour faire des personnalités, que M. Pépin vit dans un milieu où l'industrie du textile est joliment active. Il est élu. À Drummondville. À Drummondville. Joliment active, cette industrie, elle procure de l'emploi, j'ignore combien de centaines, de milliers de personnes. Le ministre de l'Industrie du Commerce, le ministre fédéral de l'Industrie du Commerce, je pense, doit être particulièrement conscient de ces problèmes chez Pépin. C'est quand même sa région, ou très proche de sa région. À tous les jours, ou presque, il y a des groupes de personnes représentant certaines industries ou des unions ouvrières qui viennent à Ottawa pour faire des représentations sur le blé d'Inde, la farine, l'industrie aéronautique, tout ce que vous voulez. Et la solution que tout le monde adopte comme point de départ, c'est haussez-moi donc ces tarifs douaniers. C'est la première chose qui vient à l'idée de tout le monde. Alors, ce que j'ai essayé de mentionner, c'est pas très populaire comme argumentation. Ce que j'ai essayé de mentionner, c'est que si on faisait ça, ça voudrait dire qu'on construirait autour du Canada une énorme frontière, une énorme barrière, un énorme mur. Ça serait la forteresse Canada. Ça serait la forteresse Canada. Et je crois que certains, peut-être, veulent jouer les bons samaritains, pensant que le Canada est un pays riche et qu'il se doit d'aider les pays moins riches. Alors, en se faisant pour ce faire, eh bien, on fait sourd oreille, la sourde oreille à l'industrie textile. Ensuite de ça, je crois que l'industrie textile n'a peut-être pas eu toujours ce qu'on appelle en anglais the best image. On a parlé d'une industrie sophistiquée. Je crois pouvoir dire que peut-être que l'industrie textile n'est pas
une industrie aussi sophistiquée, Monsieur le Premier ministre, que l'industrie électronique, mais elle n'a qu'une très lointaine ressemblance à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Certains secteurs de l'industrie textile, je crois, pourraient être comparés très favorablement dans le domaine de la technologie, dans la, comment dirais-je, dans la sophistication des moyens de production ou de contrôle aux industries les plus avancées. Et ce, tout en utilisant encore une main-d'œuvre pas trop, comment dirais-je, éduquée, c'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais enfin, disons, pas trop avancée. Il n'est pas nécessaire d'avoir à tous les stades des ingénieurs, comme c'est le cas parfois dans des industries sophistiquées. De la production québécoise, est-ce qu'il y a beaucoup d'exportations? Do you export quite a lot, or is it only exceptional? We have a market for certain types of goods for exportation. It has been growing. Vous ne pouvez pas vous proclamer libre-échangiste, recommander le plus possible que chaque pays produise ce qu'il est particulièrement apte à produire, et puis après ça, arriver avec une liste d'exceptions s'appliquant à votre propre pays. Parce que si vous faites ça, vous vous exposez à ce que les autres vous fassent la même chose. Depuis quelques mois, j'ai cette occasion assez régulièrement de parler de ces questions dans d'autres pays, et chaque fois que je préconise l'ouverture de leur marché aux produits venant du Canada, eh bien, ils sont très en mesure de me montrer que dans bien des cas, notamment dans le cadre du textile, nous sommes encore plus protectionnistes que peuvent l'être. C'est clairement une responsabilité fédérale que de faire ces trucs-là, et c'est clairement une faillite fédérale, donc, que d'avoir des situations comme celle des textiles au Québec. D'abord, je voudrais que vous notiez la présence de mon collègue, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Baudry, M. Paul, qui ce matin remplace ici M. Bellemare, parce que durant l'absence de M. Bellemare, c'est M. Paul qui s'adonne à certaines des activités que veut bien lui laisser le bouillant et pittoresque député du comté de Champlain. M. Mas, qui de plus en plus s'occupe de la planification, en particulier d'ODEC, cette organisation qui rayonne dans le bois du fleuve, mon collègue M. Maltais, député de Limoilou. Donc, j'ai écouté vos propos, et ça m'a rappelé des souvenirs. Même si on n'a pas le temps d'écrire ses mémoires, on peut toujours voir qu'est-ce qui servira à les écrire. Le 3 décembre 1953. Député à l'Assemblée législative, député du comté de Missisquoi, dans lequel comté nous avons quelques usines de textiles, en particulier Brock Mills. Et on ne m'en voudra pas de saluer la présence de mes compatriotes de langue anglaise, Gerald Brock, from Caronville, whom I know since many years. Alors, j'avais proposé au Parlement de Québec la motion suivante. Ça ressemble étrangement aux problèmes auxquels vous devez encore faire face. Attendu que l'industrie généralement connue sous le nom de l'industrie du textile et qui comporte de multiples activités industrielles, remplit un rôle important dans l'économie de la province et procure normalement de l'ouvrage, à ce moment-là, à plus de 50 000 employés. Attendu qu'il existe dans la province de Québec plus de 350 poulains, aux manufactures qui se rattachent à la dite industrie du textile et qui sont localisées dans différentes régions de la province, et je récitais un peu certains des propos que vous venez de reprendre, mais qui sont toujours vrais. Et nous demandions qu'un ordre de cette Chambre prie respectueusement les autorités fédérales d'adopter avec diligence les moyens appropriés et justes pour mettre fin à cette concurrence indésirable des 10 produits étrangers sur le marché. À ce moment-là, on se limitait de la province. Et qu'ordre soit donné au greffier de transmettre au premier ministre du Canada, le très honorable Louis Saint-Laurent, une copie de la présente résolution. C'est en 1953.
Vous savez que depuis quelques années, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont pris l'habitude de s'atteler aux choses urgentes, parce qu'il y en a tellement. C'est une grève des enseignants, c'est une grève des hôpitaux, c'est les finances qui sont... les dépenses augmentent 18 % par année, puis les revenus, croissance naturelle, 8 % Alors, les gouvernements, puis la crise d'éducation, il y a deux crises par année dans l'éducation, puis sont plus sérieuses à mesure qu'on avance. Alors, les gouvernements n'ont peut-être pas le temps de faire tellement de planification à long terme, comme tel. Moi, tout dépend des gouvernements, mais on peut comprendre celui qui existe actuellement de s'atteler aux problèmes immédiats. Comptez sur nous. Nous ferons de notre mieux pour vous aider, car nous réalisons. Il y a des gens qui le réalisent, c'est bien nous qui sommes à l'heure actuelle au timon des affaires. Mon collègue, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui s'acharne avec patience, avec persévérance, avec ténacité à promouvoir l'établissement de nouvelles industries au Québec, qui ne fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais on dit souvent que le bruit ne fait pas toujours de bien. Et le bien ne fait pas toujours du bruit. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de votre accueil si chaleureux. Et je suis sûr que les membres du comité syndical patronal de l'industrie canadienne du textile ont été très heureux de vous rencontrer. Et vous pouvez compter sur nous pour travailler au progrès de la province de Québec. Et puis, nous comptons sur vous aussi. Merci. Merci, M. le Président. Au revoir, messieurs, et bonne chance. Attention! Tassez-vous, messieurs. Voulez-vous vous tasser, messieurs, s'il vous plaît? Pardon, madame. Monsieur Martin. La cour passe. Ça... Monsieur Martin. Moi et moi, Ardan, pas lui. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous n'avez pas eu la chance de lire le discours du trône, c'était le livre, oui. C'était effrayant, il n'y a rien. Alors, le secteur privé n'est pas fini encore. À moins que nos socialisants extrêmes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été à beaucoup d'organisations. C'est ça. C'est ça.
de choses quand il concerne la co-gestion en particulier. La quoi? La co-gestion. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Julien. Vous allez avoir des contrôles à la soumission de l'infrastructure. Si vous voulez me faire la partie de la date, je vais parler. OK? Avec plaisir. Pas de photos, s'il vous plaît, pas de beau quand même. Non, j'ai fraudé. Il appelle ça la fraude électorale. D'avoir capté le vote. Eu 2000 de majorité. On voit les livres pour 2000 de plus que l'autre. Avec plaisir. Ah oui. Pardon. Allô, comment ça va? On va commencer par ça. On va en tête causer avec le représentant de Oui, c'est ça. C'est la même chose à ça. Mais je couvre l'ouverture de la station. Comment c'est tout? Je t'ai dit que le contrat, c'est en 1948. OK? Merci pour votre chance. Je ne peux pas entrer, mon cher. Pourquoi tu rentres pas? Tu vas pas voir Mme Bertrand. Il y a quelqu'un qui me cherchait tout à l'heure, une grande dame en robe rouge. Peut-être qu'elle voulait me donner une invitation. Parce qu'on m'a dit, voulez-vous demander Mlle Demers, l'attachée de presse de Mme Bertrand, qui m'a dit que j'étais invitée à cette réception-là. Est-ce qu'elle est là? Oui? Il est là, au baptême. 400 000 de côte, mon comté. 400 000, ouais. Mon comté, Saguenay. On peut-tu rentrer, là? Monsieur? Oui. Vous pouvez pas rentrer. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, pourquoi? Est-ce que vous avez une passe? Est-ce qu'on peut? Est-ce que les journalistes... Est-ce que vous avez une passe? Il n'y a pas de passe à l'heure. Seulement que ceux qui ont des passes peuvent rentrer. Excusez-moi. Les journalistes sont-ils dans la galerie? Les journalistes, ceux qui ont des passes. La galerie de la presse du Parlement. Tout simplement. Encore plus favorisés que ceux qui sont fourreurs. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a la cote du fourreur. C'est quoi des nouveautés? Donc, la Cour française n'a pas eu la chance de travailler. Oui, c'est un privilégié. I was in Magog day before yesterday and talking to several of the people in the plant and so on. And they all felt wonderful. They thought on both sides it was a good settlement, and they felt that this spirit has been sort of building up in the last 2 years and has been very, very evident at this time. And they look very, very brightly to the future. Si t'as pas d'argent, là, ce point de vue-là, t'es pas libre, d'accord? Mais tu te dis, par exemple, je sais pas, moi, je peux pas faire mon voyage et je vais faire autre chose à la place. Tu vas faire autre chose, t'es libre de faire autre chose. Aujourd'hui, pour demain, qu'il me tombe 1 million dans les mains, moi. Si je dépense ce million-là en voyager, qui peut m'en empêcher? C'est à moi l'argent. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Tout de même, je me débrouille si on crève pas. Puis moi, je pense que vraiment, là, je suis chanceux. C'est le loyer là, que je paye ici. Je tente de m'imaginer, là, si j'avais à payer, là, 80 ou 90 piastres de loyer. Puis, on est vraiment bien organisé. Moi, en tout cas, je trouve qu'on est bien organisé ici. Les enfants, on a une cour, puis... on a le sous-sol ici, que les enfants peuvent s'amuser. Je trouve qu'on s'arrange bien. Je me verrais pas avec des millions en banque, moi, sans savoir quoi en faire.
D'un côté, même... je saurais quoi en faire parce que quand même, je me permettrais un certain luxe, mais j'aurais pas le plaisir que j'ai aujourd'hui. D'accord, tu vas dire c'est de la misère. Tu travailles comme une folle pour gagner, arriver à te payer un manteau quoi ou un meuble dans la maison. Mais j'ai quand même le plaisir de me dire, je l'ai gagné ce meuble-là, je l'ai... c'est moi que ça vient de moi. C'est pas un autre qui me l'a payé, c'est pas... J'ai pas fait cet argent-là avec un autre en essayant d'abaisser quelqu'un. C'est une satisfaction qu'on a quand même d'être pauvre. Moi, je prétends qu'ils sont pas si mal. Ils vivent tout. Hein? Vous dire qu'aujourd'hui, j'aime pas mon travail? Non, j'aime mon travail, je pense. Et après un certain temps, on s'adapte un peu au bruit. J'ai eu affaire à des bons contremaîtres. Évidemment, pour le prix qu'ils payaient, le manuel textile. Mais dans la région, c'était un bon salaire. C'était considéré comme un salaire dans la moyenne, quoi. J'aime quelqu'un, moi, qui a de la vie, qui a de l'optimisme, qui voit pas seulement le côté noir de la vie, qui voit un peu le bon côté de la vie. On a tout donné qu'est-ce qu'on avait, tu sais, dans... Tout qu'est-ce qu'on pouvait les donner, on les a donnés. Les 25 vierges à mort, on voit. Moi, Romain de la Chope aura continué, ça fait 33 ans que ça va être là, puis comment qu'elle aura continué jusqu'à temps qu'elle ait 65 ans, elle a resté sur la job. Ah, ouais. Elle aime ma job. Ah, ouais. Puis...